Hello, Eduarda, how are you? Fine, Dr. Salama. Good to see you. It's a long time since we should try to do something face to face. Yeah. Let's do it. Let's agree. Yes, hi, Dr. Amr. I agree with you, Dr. Amr. We need to see each other more often now. Yes. Yeah, sure. How are you, Dr. Johansson? Good to see you. I'm fine. Thank you. I'm good. I was unable to join the last few meetings because I had some health problems, but I'm much better now, alhamdulillah. Thank God, I'm much better. Yes. Yeah. Yes. Good. It's good to see you. It's good to see you too. Thank you. Good morning. Good afternoon, all colleagues, participants. Bonjour, bon après-midi, tous les collègues participants. Nous sommes sur le point de commencer notre 11e webinaire du projet du cadre de certification pour l'Afrique. Ici, comme nous attendons une minute et puis nous allons commencer. Good day, everyone. We just want to confirm that there is interpretation going on. So participants and everyone online can choose the language of your preference and listen to the proceedings and also contribute to the proceedings from this language channel. You would see the globe there. Vous allez voir, The globe indicates the interpretation. That is the interpretation icon. Donc, and you click on it, it will give you the various language options available. Différentes options de langue qui existent. Then you choose your et language. Vous choisissez votre langue. And you remain in there. Vous restez dans cette canal ou dans cette chaîne. And both to listen and to make your contributions. Pour écouter et pour aussi mettre vos contributions. Merci beaucoup, Timothée. Thank you very alors, much. Alors, commençons notre 11e webinaire d'apprentissage sur le cadre continental africain de certification. Nous vous accueillons tous, nous vous souhaitons les bienvenus délégués des différents pays. Tous les participants qui viennent de différents pays d'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'Afrique centrale bien sûr, l'île Maurice, le Seychelles. Nous avons aussi des participants particulièrement nos orateurs qui viennent d'autres continents, l'Europe, l'Australie. Nous avons des participants du Moyen-Orient. Nous avons des participants qui représentent les ministères et les différentes organisations parties prenantes, les autorités de certification, ainsi que d'autres partenaires sociaux, ainsi que d'autres associations régionales, continentales en Afrique. Comme ce webinaire, c'est une interaction de 2h30, c'est pour partager les informations à ce qui concerne des systèmes de certification. Donc, l'ordre du jour, nous avons deux sessions de présentation qui seront faites et deux discussions qui vont avoir lieu
Alors, vous avez eu l'opportunité de visiter le webinaire, la page plutôt où les présentations sont déjà téléchargées et vous avez aussi accès à la chaîne de YouTube pour ce programme de ces webinaires d'apprentissage par les pairs. Je vais me présenter, je suis Ordano Casablanca, vous me connaissez déjà, je suis coordinatrice thématique pour le projet pour le développement du cadre continental africain des certifications. Nous avons M. Emmanuel Chigozo Ikonko est très occupé dans une réunion importante, mais il a envoyé tous ses souhaits. Donc, il aura lieu dans le webinaire que nous allons organiser en octobre. Alors, nous pouvons demander à tous les collègues, si vous ne parlez pas, gardez votre micro, coupez votre micro, s'il vous plaît. Timothée, il est le leader, avait déjà expliqué en ce qui concerne l'explication, l'interprétation. Parce que nous avons déjà de nouveaux participants, j'aimerais ici faire 2 minutes ici pour vous rappeler le contexte de ce webinaire. Alors, ce webinaire fait partie du programme de renforcement des capacités de développement qu'on appelle Développer le cadre continental africain de certification. Ce projet est opérationnel depuis septembre 2019 jusqu'à septembre 2022. C'est une composante donc pour le programme de compétences qui est la contribution de l'Union africaine aux compétences de CIFA, qui est l'initiative de AUDANEPAD et de l'Union africaine. L'objectif de ces projets, c'est de pouvoir jeter les jalons comme pour que nous puissions avoir des instruments durables, donc de cadres de certification, bien sûr, en travaillant avec le cadre de certification national. Donc, l'objectif principal, c'est d'avoir les documents techniques de politique et d'exécution de plan et les paquets de directives de AC. Que F, nous allons beaucoup parler de ça aujourd'hui, y compris dans la session 4, le programme, donc le projet AC que F comprend aussi le renforcement des capacités et les redoutages et l'analyse et l'approche. Ceci est fait par l'approche participative. Nous devons nous rappeler que la AC que F est orientée donc aux politiques importantes de l'Union africaine, particulièrement donc la zone de libre-échange africaine, la stratégie continentale pour l'Afrique de 2015 et aussi la migration ou la politique sur la migration. Aujourd'hui, ce webinaire sur l'apprentissage va se focaliser un peu différemment. Ça va être thématique, au lieu que ce soit par pays ou par région, par exemple, tel que nous l'avons fait, par exemple, dans le webinaire passé. L'objectif principal de ce webinaire, c'est de commencer la première étape pour avoir des niveaux de ACQF et de comprendre les liens, les résultats d'apprentissage dans les différents contextes d'apprentissage, particulièrement en ce qui concerne le fonctionnement et l'interaction entre le cadre régional de certification et les cadres nationaux de certification. Il y a beaucoup de bruit. Quelqu'un a son micro ouvert. J'aimerais vous rappeler ici le panorama de cadres nationaux de certification et régionaux qui ont été partagés et discutés dans les webinaires que nous avons organisés en 2020. Comme vous pouvez voir, le premier tableau, nous avons eu l'opportunité d'apprendre à peu près 22 cas complets. Donc parmi ces 22, il y avait 5 cadres régionaux de certification et il y avait 17 cadres nationaux de certification.
Cela va comme de l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe. Et merci beaucoup à tous les experts qui ont partagé cette connaissance avec nous. Je suis contente que certains d'entre vous sont ici. En 2021, nous avons commencé à diversifier donc de ces webinaires d'apprentissage par les pairs. Donc, la base de ACQF qui ont été partagées dans le webinaire, nous avons considéré la reconnaissance d'apprentissage, de certificats et d'apprentissage antérieur plutôt. On a eu des sessions sur la gestion, par exemple, des systèmes d'information, de cadres nationaux de certification, les résultats. On a eu des sessions pour le résultat préliminaire de l'enquête qui est. Donc, nos trois sessions principales, comme vous l'avez constaté sur l'ordre du jour. Donc, la première session sera faite par Jean, il y a une erreur, Yannis Borjanovot de CDFOP. Il va nous parler, il va partager avec nous les leçons principales de l'Europe sur les résultats d'apprentissage, des concepts à l'application dans les différents contextes d'apprentissage et de cadre de certification. Et puis, nous aurons Andrea Bettman. Elle va nous parler sur le cadre régional de certification du point de vue de l'Espagne. Elle va nous parler d'orientation, la note d'orientation sur le RQF ou le cadre régional de certification. Dans la session 3, Colin Jafta qui va nous parler sur les étapes vers la conception et les donc le niveau de description. Alors, sur certains de ces sujets importants, dans la session d'apprentissage, le premier par Yen, nous allons apprendre à influencer des résultats au niveau national de politique, donc au niveau de la gestion, gouvernance des. Et la réforme, nous allons apprendre quelques leçons, mais aussi des tensions et des suggestions, bien sûr. Andrea va aussi nous conduire avec certains points de vue sur donc, des orientations, comme je l'ai dit, donc, du point de vue systémique, et pas seulement... Donc, du point de vue systématique, il va nous donner les dilemmes et la sagesse sur donc, les références et apprendre des cadres régionaux de certification du point de vue global. Et Colin va lier le point entre le résultat d'apprentissage dans le contexte et l'objectif de cadres régionaux de certification, particulièrement en ce qui concerne le ACQF. Et donc, à ce niveau et pour pouvoir donner certains points pour des discussions comme nous avançons avec le développement du cadre continental africain de certification. Quelques mots de ces panels distingués et des experts. Jens Bernavold, merci beaucoup, Jens. Je peux dire, il est, si je peux, l'expert principal dans la conceptualisation de la mise en œuvre de cadre de certification européen. Il n'est pas le seul, bien sûr, mais il a joué un rôle très important. Jens a travaillé sur les résultats d'apprentissage. Il a été vraiment... à la clé, donc, sur l'apprentissage, ou plutôt le livre, l'ouvrage sur le résultat d'apprentissage. Il est l'un des auteurs des directives
de l'Union européenne sur la validation de l'apprentissage formel et informel. Par exemple, donc la nature qui change de FTEP, par exemple, en Europe, deux projets très importants. Il a aussi été très, il a joué un rôle important dans les projets en ce qui concerne la comparaison de qualifications. Donc, il a contribué au développement et même au niveau de cadre de certification. Merci beaucoup, Yann. Andrea, il a aussi une expérience dans le cadre régionaux de certification en Asie Pacifique et l'Australie. Alors, Andrea est un expert, particulièrement dans la phase 1, 2, 3, dans le développement de cadre de nations asiennes. Vous vous rappelez, on avait eu la présentation de cadre de certification des ASEAN qu'on avait dans notre webinaire 2020. Andrea était expert dans le développement de cadre pacifique de certification et qui accompagne le registreur de qualification, y compris la récente revue. Et il est aussi co-auteur de directive sur l'assurance qualité de le note d'orientation. Merci beaucoup, Andrea. Pour Andrea, c'est un peu arrêté. Elle est en Australie. Merci beaucoup d'être là. Et Colline, avec, elle a un peu plus de 10 ans d'expérience dans l'autorité de qualification de la Sud-Afrique. Elle a été dans le département des liaisons internationales, travaillant dans le département des enregistrement et de reconnaissance. Elle a joué un rôle de programme du cadre de certification de la SADEC. Elle est aussi chercheure, elle enseigne à l'université. Colline travaille merci beaucoup, Colline. Elle a travaillé dans le cadre. J'aimerais dire quelque chose concernant la première enquête sur le CCAC. C'était une enquête vraiment très courte. C'est encore ouverte. On peut continuer à recevoir vos soumissions. Merci d'abord à vous tous qui avez contribué avec des réponses. Nous avons des contributions de l'Afrique, de l'Australie, de l'UNESCO. Alors, je ne veux pas aussi noter le pays qui ont contribué, y compris l'Association des universités techniques et polytechniques en Afrique, ATUPA. Ce n'est pas, je ne veux pas prendre de votre temps, mais j'aimerais ici dire que, voilà, nous allons discuter ça dans la présentation, bien sûr, dans la session numéro 4 par Colline. CCCS est en train de développer des directives et des modules. Ces 10 thèmes couvrent donc des questions ou des aspects, des dimensions sur le cadre et les systèmes de certification, donc en ce qui concerne les résultats d'apprentissage, les directives sur de description, par exemple, l'enregistrement, le suivi et évaluation dans les contextes de communication, l'innovation et technologie, et enfin, un point de vue systémique sur... Colline va parler de ça. Je ne veux pas prendre de votre temps, juste une minute pour dire, donc... Le CCAC est dans la dernière phase d'essai et de révision. Alors, il y a beaucoup d'informations concernant la recherche, l'analyse par ce projet et aussi beaucoup d'informations des sources pour que quelqu'un puisse utiliser
pour ces programmes de renforcement des capacités, des événements de réseautage et aussi l'inventaire de ces cadres pour l'Afrique. Je vais maintenant inviter nos collègues Jens. Jens, je vais partager ta présentation, je vais partager ça sur l'écran. Merci beaucoup, Jens, pour votre temps, d'avoir partagé vos connaissances, vos immenses connaissances. Merci. Merci beaucoup tout le monde pour la présentation et de l'opportunité d'être présent. Je suis le participant dans ce webinaire. Je travaille cette semaine en Norvège. Donc, quelques mots sur ma présentation. Je vais essayer un peu d'entrer dans les questions en ce qui concerne les résultats d'apprentissage d'une manière générale. Ça, c'est très important pour les discussions en ce qui concerne, bien sûr, les descripteurs de niveau d'une manière directe ou indirecte. Ou peut-être on peut faire les commentaires à la fin. Comment est-ce que ma présentation et les questions, bien sûr, les possibilités pour, donc, en ce qui concerne les questions de descripteurs de niveau et comment est-ce que cela peut être utilisé dans le cadre de certification, la définition de résultats que nous utilisons dans les contextes européens, c'est la déclaration, par exemple, de ce que l'étudiant connaît vers l'accomplissement de ses résultats. Ça, c'est une définition simple, mais qui une définition. Donc, cela attire l'attention à l'individu et c'est que l'individu, l'apprenant, doit être attendu à connaître. Alors, l'attention ici, au lieu de se focaliser sur c'est que quel genre de livre vous lisez, mais nous nous focalisons sur le processus d'apprentissage et de l'éducation, l'impact de ces processus. Alors, la définition est très importante et je dois aussi dire que nous devons insister que cette définition se focalise sur l'individu. Donc, cela a des implications et je vais essayer un peu de pouvoir aborder ça dans les diapos qui vont suivre. Ça aussi, d'une façon, les définitions, parfois, nous oublions le fait que nous parlons de deux genres de résultats d'apprentissage. Nous avons ce qu'on appelle le résultat d'apprentissage escompté, ce que nous trouvons dans le curriculum, dans les programmes d'éducation, et ce qui est exprimé dans le descripteur de niveau. Ce sont là les déclarations que l'apprenant est censé savoir, être capable de faire et de comprendre après avoir terminé un processus d'apprentissage. Mais bien sûr, quand nous évaluons l'individu, nous considérons la capacité de cette personne de pouvoir faire ce travail, de faire une tâche. Alors ici, nous parlons des résultats d'apprentissage atteints. Quel genre de connaissances, d'aptitudes ou de compétences qu'une personne a acquises? Il est important d'avoir ça à l'idée. Il y a toujours ce feedback-là entre ce que nous, donc, les résultats d'apprentissage escomptés, les résultats d'apprentissage atteints, comme nous le voyons toujours. Alors, quand nous parlons donc, d'utiliser les résultats d'apprentissage pour désigner les qualifications, les programmes, alors ce feedback entre les intentions et les résultats atteints en réel. C'est vraiment important. Nous avons fait beaucoup de recherches, même au niveau national. Comment est-ce que nous pouvons améliorer ces feedbacks entre les intentions et les résultats atteints? Alors,
ça c'est vraiment très important. J'aimerais dire quelque chose en ce qui concerne les résultats présentés dans les politiques européennes d'éducation et de formation. Si vous considérez dans l'histoire, donc les efforts nationaux visant à mettre en œuvre les résultats d'apprentissage remontent aux années 1980. C'est là que nous voyons que cela a commencé à prendre de l'ampleur. Bien sûr, donc les intentions, les discussions. Si vous considérez, par exemple, les principes des acquis d'apprentissage depuis 2020, systématiquement promis au niveau européen depuis les années 2000. Alors, le cadre européen de certification donc, a joué un rôle dans 2004, par exemple, 2003-2004, a joué un rôle dans la promotion de ces principes d'apprentissage, pas seulement de cadre de certification, mais les principes des acquis d'apprentissage peuvent être considérés comme les ciments qui lient les politiques européennes en matière de compétences et de qualifications. C'est que je peux dire que ces principes et les ciments, par exemple, qui lient les politiques européennes en matière de compétences et de qualifications. Donc, c'est comme un point commun de référence, parce que si vous n'êtes pas en mesure, donc on peut soutenir les individus, si vous n'êtes pas en mesure de savoir, nous sommes de cette façon, il y a eu il y a quelques temps, par exemple, au niveau national et au niveau. Je pense que ce qui est important de dire ici, il y a différents objectifs pour utiliser les résultats d'apprentissage. Nous devons garder ça à l'idée. Donc, l'objectif principal, c'est réformer, moderniser l'éducation et la formation et la relation entre l'éducation et la formation et le marché du travail. Ça, c'est vraiment important. Donc, nous devons mettre dans les systèmes de formation donc, pour que ça soit mieux pour servir là, et aussi aider entre les systèmes d'éducation et d'autres systèmes. Mais nous avons aussi considéré à trois niveaux principaux en termes d'influence. Comment est-ce que les résultats d'apprentissage influencent, par exemple, les politiques nationales européennes dans la globalité et aussi en ce qui concerne la gestion des institutions, et aussi en ce qui comment est-ce que les résultats d'apprentissage influencent la réforme pédagogique. Je vais un peu passer en revue certains de ces éléments dans les diapos qui suivent. Alors, les résultats d'apprentissage dans les politiques nationales européennes. Il y a beaucoup d'aspirations, quelqu'un peut dire. Vous les savez, vous connaissez certaines de ces aspirations. Les résultats d'apprentissage, d'abord, facilitent la valorisation de tout apprentissage, y compris celui qui a été acquis en dehors de l'éducation et de la formation formelle. C'est aussi important d'augmenter la transparence des qualifications pour les apprenants et les employeurs et aussi de voir quel est le contenu, quel est donc le profil de toutes les qualifications, donc quel est le profil de l'apprentissage que l'individu a, par exemple, donc qui a complété un programme, par exemple. Ça, c'est important aussi de faciliter les progrès et je pense que cela est lié, bien sûr, à l'apprentissage tout au long de la vie parce que ici c'est avoir de voies compatibles pour pouvoir saisir ce qu'on a accumulé. Si on peut combiner l'apprentissage des différentes institutions, les différents contextes, comment est-ce que vous pouvez accumuler et sans... les résultats d'apprentissage, donc sans pour autant clarifier quelles sont les compétences, ainsi de suite, il est difficile de les faire.
Alors ici, vous êtes en train de parler des différentes institutions, les différents différentes infrastructures qui sont difficiles à comparer. Alors, il est important, quelqu'un a parlé aussi de la responsabilisation en matière d'éducation et de formation pour voir ce que, bien sûr, la comparabilité est très importante. Aujourd'hui, nous comprenons les similarités et les différences dans les différents pays. Et tout cela nous amène à la question donc de l'apprentissage tout au long de la vie, et je vais ajouter tout au long de la vie. Donc, on apprend aussi à travers différentes structures, différentes institutions. Et ce sont des aspirations qui sont importantes, et on peut les utiliser, les résultats d'apprentissage, pour renforcer nos instruments, ainsi de suite. Je veux dire que si vous considérez les résultats d'apprentissage en tant qu'outil de gestion, aspiration, par exemple, cela nous permet donc d'avoir des aspirations. Donc, quelles sont les orientations, les programmes de qualification et les autonomies? Parce que quand vous dites quel va être donc ce qui va être complété, la façon dont vous préparez ça, c'est très ouvert et ici pour au locaux de dire que les enseignants, ces genres de combinaisons, cette orientation, bien sûr, il y a toujours ça c'est très important. Je pense que ce que nous voyons, c'est très important. Donc les résultats, de gestion, nous allons y revenir plus tard. C'est un peu simplistique. Je pense que, donc au niveau, c'est de comprendre, cela a à faire avec d'autres réformes. Je pense que j'ai la traduction dans mes oreilles, je ne sais pas ce qui s'est passé. En ce qui concerne, ici nous sommes allés au niveau de l'individu, c'est sont importants parce que ça aide à clarifier l'intention de ce processus, ce qui est attendu. Donc vous devez entrer dans le programme, par exemple, et je pense que c'est une façon donc de faciliter et d'une manière cohérente l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation et une meilleure conception de méthodes d'enseignement et d'apprentissage. Je pense que ce qui est important et c'est facilite donc un processus plus centré sur l'apprenant. Ce sont là les aspirations et ici je vais insister sur donc dans les contextes européens, donc plus des années, ces aspirations, et je vais y arriver à ça. Nous pouvons passer à l'autre. À l'autre diapo. Donc, un commentaire. Quelle est la base de ce que je suis en train de dire? Donc, il y a eu des études qui ont été faites de manière régulière pour voir, montrer une évolution globale vers les acquis de l'apprentissage dans l'Europe. Donc, vous pouvez télécharger ça. Donc, il y a une étude de 2009, une autre de 2016, et récemment en 2020, où on a considéré l'évolution du rôle de l'enseignement et de la formation professionnelle comme cette tendance. Et on montre qu'il y a la réorientation dans les politiques au niveau global
bien sûr, dû au cadre de politique, la façon dont les résultats influencent les programmes, mais aussi à quel degré cela influence la gestion des institutions. Et si je peux vous ramener certaines des observations, donc je ne veux pas passer votre temps, mais c'est juste pour vous donner. D'abord, j'aimerais ici me focaliser sur les différents secteurs, donc dans la formation. Donc, vous avez donc ces cadres qui prennent toute forme d'éducation et de qualification des aspirations, par exemple. Mais si vous considérez les différents secteurs, comment est-ce qu'ils ont pris ces résultats d'apprentissage? Vous avez, par exemple, l'EFP, par exemple. Vous voyez que les approches sont bien établies l'accent sur l'apprentissage, sur, vous devez être clair, la compétence d'apprentissage après le processus d'apprentissage. Alors, tous les pays sont en train de parler de résultats d'apprentissage ou des compétences comme fondamentales. Donc, l'EFP, par exemple, tel que c'est défini, par exemple, alors ce qui s'est passé dans les résultats, par exemple, est devenu plus explicite et visible. Alors, je pense que cela augmente accroît la transparence de l'EFP, donc un moyen d'améliorer la pertinence de l'EFP et mettre l'apprenant au centre du processus. Bien sûr, on a beaucoup de travail pour c'est là que nous trouvons. Vous pouvez passer à l'autre diapo. Dans l'éducation, quand nous avons fait notre surveille et notre enquête, plutôt, la situation était un peu mixte et mélangée, donc les institutions d'enseignement supérieur. Mais ce que nous avons vu est très intéressant de l'année 2010-2017, quand nous avons publié, il y a eu un changement et un accent sur les résultats d'apprentissage. Et ici, le processus pour avoir, il y a eu l'accent qui veut dire que beaucoup d'institutions, beaucoup de pays ont commencé à réviser leurs programmes en termes de l'éducation supérieure, l'enseignement supérieur est beaucoup plus aligné et ils utilisent le résultat d'apprentissage d'une manière systématique. Ici, on est en train de parler de l'éducation de base ou générale, la même chose comme l'éducation supérieure. Nous voyons un changement qui s'opère. Nous voyons la révision, par exemple, de programmes. Nous voyons apprentissage, par exemple. Et nous voyons aussi l'impact. Et si vous considérez, par exemple, donc, l'éducation générale, il y a à peu près le résultat d'apprentissage, mais cela a changé. Donc, d'une manière empirique, nous voyons deux décennies où il y a eu des changements dans l'éducation, particulièrement dans le. Vous pouvez changer, on peut passer à l'autre diapo. Alors. Nous allons peut-être passer à des aspirations maintenant. Ici, maintenant, on parle sur l'incidence réelle des politiques, les facteurs clés. Donc ici, les facteurs clés ou les principaux moteurs du changement dont nous sommes en train de parler, ce sont le cadre complet de certification, parce que c'est important, qui a déclenché la mise en œuvre et le développement de cadre pour le pays zéro payeur, pour le pays qui ont ces cadres, et cela donne une attention sur comment ils influencent les programmes, la définition
le développement. Et c'est très important dans votre discussion, l'introduction du système. Si vous voulez, par exemple, de manière informelle ou informelle, joue un rôle parce que ça mène l'attention sur ce que les gens ont appris, quel que soit le contexte de leur apprentissage. Pour évaluer cela, il est important que nous ayons les références pour des programmes. Alors, je vais un peu ici parler développement dans beaucoup de pays, même dans la validation de l'apprentissage antérieur ou des acquis. Ici, nous sommes en train de parler de l'évaluation, par exemple, à travers le carte de qualification plus complète et accessible. Ça, c'est donc on fait augmenter donc dans la base de données liée au niveau européen qui contient les descriptions de résultats d'apprentissage de chaque programme, de chaque qualification pour que vous puissiez comprendre et cliquer pour voir quel est le profil, pas seulement les niveaux, mais le profil. On a les groupes de travail au niveau pour développer, par exemple, la description des résultats dans les différents systèmes. Ce qui est intéressant de savoir, c'est la réforme systémique de ce qui se passe, particulièrement dans les domaines. Nous voyons ici les résultats d'apprentissage. C'est ouvert, montre que donc les qualifications, par exemple, dans les différents contextes, certains pays ont introduit, par exemple, les niveaux 7 et 8, par exemple, et c'est très intéressant. Nous disons que donc les qualifications et pour indiquer que donc ce sont les différentes qualifications en termes des niveaux de la sophistication de l'apprenant, cela peut être d'une manière, donc c'est une évolution. Donc on pense que l'éducation supérieure du pensement, c'est quelque chose donc pour l'FP plutôt. Nous pouvons passer à l'autre session. Qu'en est-il du niveau de gestion? Nous pouvons observer l'impact donc, de ces programmes. Nous voyons le renforcement des institutions donc, d'apprentissage. Par exemple, ici, nous devons reconnaître que dans beaucoup d'institutions, ils considèrent les résultats d'apprentissage. Ça ouvre un espace. Donc, ce n'est pas donné comment cela doit être utilisé. Donc, il y a des recherches qui ne sont pas, nous n'avons pas l'aperçu comment l'apprentissage peut soutenir donc la conception des programmes. Donc, c'est un domaine pour pouvoir, nous pouvons passer à l'autre diapo. Donc, ça, c'est pédagogique, bien sûr. Ici, je peux dire, donc, de recherche, de preuves de recherche limitées disponibles. Donc, comment est-ce que le résultat d'apprentissage entraîne? Donc, on peut voir qu'un passage au résultat d'apprentissage n'entraîne pas par défaut un changement dans l'enseignement et l'apprentissage. Un passage au résultat d'apprentissage peut créer un espace pour le changement, mais implique un alignement entre la définition des résultats d'apprentissage escomptés, choix de la méthodologie et de l'approche d'enseignement et d'apprentissage, engager les étudiants et les apprenants, et je vais aussi dire, ainsi que motivation. Dans ces domaines, nous ne devons pas négliger les choses, les résultats d'apprentissage peuvent, mais ça ne peut pas déclencher les changements. Donc, ce n'est pas une
information pour vous, vous le savez. Donc, nous travaillons dans les cadres de certification. Par exemple, nous considérons au niveau macro des politiques des institutions, mais à la fin de toutes choses, c'est au niveau de ces systèmes, nous devons, donc cela doit vraiment descendre au niveau bas. Par exemple, nous avons vraiment beaucoup à apprendre pour voir comment cela déclenche. Pour faire quelques conclusions par rapport ce parcours de développement de résultats d'apprentissage, les résultats d'apprentissage orientent un processus d'apprentissage. Ils ne devaient pas les contenir ou les restreindre. Donc, les énoncés des résultats d'apprentissage ne doivent pas être compris comme empêchant les apprenants d'aller au-delà des attentes. Les énoncés des résultats d'apprentissage devraient aider les enseignants à identifier, à accomplir, à combiner les méthodes d'enseignement. Il est essentiel de trouver l'équilibre entre les résultats d'apprentissage prescrits et rescrits. Nous ne pouvons pas les négliger. Au niveau des apprenants, par exemple. Nous passons à l'autre diapo. Maintenant, je vais parler de ma dernière partie. Ce sont les leçons des apprentissages donc, qui a été publié en 2000, qui a été, les diapos vous sont présentés et qui contiennent certains messages. Ici sont alliés, la réussite de ça dépend sur l'alignement donc de cadre, comment est-ce qu'ils influencent donc les références de métiers, référentiels d'éducation et de formation, programmes d'études, d'enseignement et formation, exigences en matière d'évaluation. Nous pouvons dire, nous avons développé les cadres de certification donc pour les continents et pour l'Union européenne, mais tant que nous laissons de manière isolée comme ça, qui n'interviennent pas, vu l'importance donc dans la formation de cette cette inadéquation créée, alors il est important que nous puissions tenir compte de ça. Le cadre de certification peut donner l'aspiration, peut donner donc c'est différent. Donc, l'alignement est très important. Donc les tensions, donc les différences, parfois, nous avons une tradition qui insiste sur le résultat d'apprentissage comme orienté sur les résultats, mais donc, on doit observer de manière objective. Nous voyons une approche constructive mettra l'accent sur la nécessité que les résultats d'apprentissage soient orientés, un processus et ouvert. Donc, on peut illustrer une rationalité qui insiste sur les besoins pour que les résultats soient ouverts et plus et limités. Bien sûr, donc des tensions entre ce que nous pouvons appeler donc stratégique. Ça, c'est très important parce que si on doit, il n'y a pas de doute qu'il doit y avoir l'ambiguïté. Ça, c'est le problème. Beaucoup d'apprentissage est traité, beaucoup d'apprentissage est ambigu. Alors, je pense que cette discussion, cette tension, on peut passer à l'autre. Donc, une leçon, c'est pour éviter ce que nous disons. Les résultats d'apprentissage, selon nous, doivent être conçus pour permettre, donc définir, rédiger de manière à permettre une adaptation et une interprétation locale par les enseignants et les apprenants. Des déclarations trop détaillées et prescriptives
collectives peuvent saper et conduire à un abrutissement du processus d'apprentissage et d'évaluation. Alors, n'utilisons pas les apprentissages pour restreindre. Donc, c'est pour permettre l'apprentissage actif, donc pour donc libérer le potentiel de l'individu. Ça ne doit pas être restrictif. Ça, c'est un aspect très important. Nous passons à l'autre diapo. Alors, donc ces contradictions, nous devons être au courant de ça. On se focalise sur le processus, sur être ouvert, donc permettre une adaptation locale individuelle. Est-ce qu'on permet pour que l'adaptation où nous allons prescrire les, ou contrôler, ce sont là des questions importantes, par exemple, donc que nous pouvons utiliser pour développer le cadre d'apprendre et le cadre plutôt de certification. Peut-être c'est la dernière chose. La leçon clé, donc nous, si nous, un passage au résultat d'apprentissage peut être compromis s'il n'est pas aligné sur l'évaluation. Il convient de préciser que le résultat d'apprentissage écrit sous forme d'énoncé des seuils n'empêche pas les apprenants d'aller au-delà de ces seuils. Nécessité de trouver un équilibre, être fiable. Et comment est-ce que nous adressons ces énoncés d'apprentissage, donc les attentes d'évaluation, si l'évaluation n'est pas en ligne avec la façon dont nous définissons le programme, donc ça va être un problème. C'est comme si nous parlons d'une chose différente. Aux méthodes d'apprentissage, ainsi de suite. C'est très important à souligner. Nous pouvons passer au point suivant. Et voilà, je suis à la fin. Ce que j'aimerais dire comme conclusion, peut-être attirer votre attention ici, quels sont les éléments donc, de ces réflexions, de ces résultats d'apprentissage. C'est très important la façon dont nous définissons nos descripteurs de niveau et la façon dont, quelle est l'orientation donc, de ces descripteurs pour distinguer les différents niveaux et comment est-ce qu'il peut être utilisé comme le mécanisme pour calibrer les programmes ou introduire la consistance entre les différentes qualifications. Je pense que les raisonnements sur les résultats d'apprentissage, donc les processus non restrictifs ouverts, donc toutes les leçons qui sont importantes, peut-être vous avez déjà formulé, mais quand il s'agit de la mise en œuvre au niveau national et pour l'appliquer, pour pouvoir définir les programmes de qualification, ces questions, selon notre expérience, selon notre opinion, ces questions sont importantes. Donc, le résultat d'apprentissage, par défaut, ne constitue pas le résultat ou la solution à toute chose. Nous devons nous focaliser et avoir l'orientation à cet apprenant et donner l'orientation à l'enseignant, à l'institution, bien sûr aussi. C'était ça, ce que j'allais à dire. Bien sûr, vous pouvez trouver beaucoup de cette recherche sur notre site Internet et vous pouvez le télécharger. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jens, pour cette présentation et aussi d'avoir insisté sur le fait qu'il y a un équilibrage que nous devons faire quand nous sommes en train de discuter, quand nous sommes en train de définir, quand nous sommes en train de travailler, quand nous sommes en train, particulièrement sur les résultats d'apprentissage. Merci beaucoup d'avoir insisté sur les leçons apprises, par exemple, et c'est très important. Donc, on ne doit pas être trop restrictif pour le développement de résultats d'apprentissage, par exemple, développer l'évaluation. Et à la fin, bien sûr, vous avez parlé. Donc, il y a de bonnes orientations pour l'inclusion ainsi que les apprenants et le processus d'évaluation. Merci beaucoup. Alors, nous aurons l'espace pour des questions. Bien sûr, il y a des questions et des commentaires dans la boîte des discussions. J'aimerais encourager tous les collègues
tous les participants de pouvoir mettre vos questions dans la boîte de discussion. Donc, pour que Jans et Andrea auront l'opportunité d'y répondre ou de pouvoir répondre à certaines ou à certaines de vos questions ou des commentaires. Nous allons maintenant passer en Australie, bien sûr. Donc, je suis à Bruxelles. Nous allons passer à Andrea. Vous avez la parole. Thank you. Merci. Can you see the slide? You do. Good. Thank you. Merci. Je m'excuse. Donc, pour mon accent australien, souvent les gens ont des difficultés. Donc, je peux peut-être aller un peu plus vite. Je pense que vous pouvez m'arrêter si je parle trop vite. Je vais me focaliser sur le cadre régional de qualification. On m'a demandé d'écrire sur une note d'orientation, sur les descripteurs de niveau, ainsi de suite. Cette présentation se focalise sur ça, que sur les cadres régionaux de certification. Je suppose que nous comprenons tous ce qu'un cadre régional de certification, alors comment cela peut fonctionner. Mais pour moi, un cadre régional, et c'est pour la communauté, c'est pas, donc ça doit servir la communauté. Alors, je suis, j'ai un argument très fort dans ça. Peut-être on peut parler, pour moi, ce n'est pas aussi plus important comme vous le pensez. Particulièrement, je suis intéressé dans l'objectif de cadre. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je pense que c'est très important que la communauté puisse trouver des raisons pourquoi vous voulez que cela soit fait. Alors, pour moi, les éléments importants, je vais les mettre sur l'écran. L'objectif, donc, c'est très important. Une fois que vous pouvez définir votre objectif, cela peut vous aider avec la portée et même le niveau, le descripteur de niveau. Et comment est-ce que vous allez le faire? Par exemple, c'est très important pour moi. J'ai donné l'exemple ici, améliorer la qualité de qualification dans le pays ou la transparence entre les différents cadres de certification, bâtir la confiance, promouvoir l'apprentissage, l'apprentissage informel, tout cela couvre tous les secteurs. J'ai pensé que tout ici, d'apprentissage, au lieu que les gens parlent de qualification seulement dans les différents secteurs. Je pense pour les cadres régionaux, vous devez dire qu'est-ce que c'est là? Voulons-nous couvrir toute forme d'apprentissage? Quel est le rôle de ces cadres, par exemple, dans le sens en termes de l'impact ou quel peut être l'impact non voulu, par exemple, ou l'impact non ciblé? Ce qui n'est pas clair, par exemple, dans le cadre pacifique de certification, c'est très clair que tout ce que nous faisons ne puisse pas empiétrer sur la souveraineté nationale. Alors, le cadre doit avoir cet aspect-là, donc, où ne pouvait pas avoir l'impact formel. Ça pouvait avoir l'impact, mais ce n'était pas un impact vraiment souhaité. Donc, on a dit qu'on doit avoir l'influence. Tout cela, c'est la même chose presque pour dire que ça, c'est un accord. Voilà ce que nous allons faire, mais nous n'allons pas forcer certains aspects sur quelques nations. Alors, ça, c'est un élément important à retenir. Alors, le descripteur de niveau, tout le monde dit ici, parce que beaucoup de cadres régionaux veulent avoir que leur cadre puisse être comme des outils de traduction pour comprendre les qualifications d'ici et là. Mais nous devons savoir ces diagrammes en ce moment. L'autre, ce sont des liens, les liens de
comment est-ce que ces cadres sont liés? Donc, est-ce qu'il y a des critères, par exemple, est-ce que c'est lié au cadre régional? Les gens donc, ne parlent pas de l'assurance qualité dans le cadre régional. Qui focalise au niveau seulement de descripteurs de niveau. Donc, la façon dont vous vivez avec l'assurance des qualités, comment est-ce que les pays ont expliqué leur niveau d'assurance des qualités, c'est un problème de confiance. Donc, ici, on parle aussi des arrangements de gouvernance, par exemple, dépendant des communautés, comment cette communauté fonctionne. Tout cela est un autre élément, ce qui est important, le cadre pour arriver à comprendre, donc les définitions sont très importantes aussi. Alors, il souligne ici tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train d'écrire. Nous considérons le CCAC. Il y a eu des changements, par exemple, mais les définitions sont importantes. Ça ne doit pas être des définitions qui sont comprises seulement. Mais dans votre communauté, ça c'est très important, je le pense. Donc, une autre approche que j'ai déjà discuté dans la note d'orientation, mais je pense que le terme que tout le monde utilise, la plupart des gens utilisent, vous devez aller au-delà de ça pour travailler. Qu'est-ce que le processus de référentiel parle de? Est-ce que ça arrive à une approche de référentiel ou de comparaison où ça impacte donc le cadre de certification, par exemple, donc approche de référencement parler plutôt, est-ce que c'est un exercice seulement d'alignement ou c'est juste une activité d'alignement? Donc, alors... Ça, c'est de capacité et de finance, de contraintes financières. Par exemple, les contraintes d'être dans le Pacifique, un petit pays. Donc, les critères de référencement sont presque les mêmes dans le cadre régional. Donc les critères de référencement. Une fois de plus, donc, des questions de développement, mais ayant dit cela, on a des questions, par exemple, cadres de certification qui ont été utilisés pour comprendre les critères qui sont dans le cadre asiatique de certification et tant d'autres. Même le cadre sud-africain, vous pouvez regarder ces critères, vous dire que certains critères répondent, d'autres sont orientés vers les processus, les choses qu'on doit faire, on doit avoir un rapport, ou je dois, par exemple, télécharger les rapports sur le site internet. C'est beaucoup plus orienté vers les processus, basé sur la procédure, sur ce que nous allons faire. Après que vous avez fait les référencements, comment est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous allez faire pour utiliser cette information, ainsi de suite. Comment est-ce que vous pouvez faire les commentaires sur votre cadre? Je pense que j'étais en train de considérer ça dans... c'est très possible d'avoir des critères. Ça, c'est un commentaire simple en termes de niveau, en termes de descripteurs de niveau dans le cadre pour moi. Donc, ils sont là pour un objectif, ce n'est pas pour est-ce que ça va empiéter sur ce que je peux faire si je développe un. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez que cela puisse faire? Donc, les descripteurs de niveau, je les vois comme le niveau donc, de complexité. Je pense que je n'étais pas sûr
For me, it's not about learning. Si je devais dire des choses pour moi, ce n'est pas donc la complexité de l'apprentissage. Combien de niveaux, par exemple? Donc, on peut arriver à définir d'abord le résultat. Je pose ces questions dans le Pacifique et j'ai eu deux réponses. Mais en conclusion, c'est pour ramener la communauté ou le membre de la communauté ensemble ou c'est pour donc délier avec d'autres cadres nationaux ou à un autre cadre régional. Donc, l'un des groupes où je travaillais, ils m'ont dit, par exemple, l'autre voulait les lier à un cadre régional. Donc, ils avaient des raisons et c'était clair. Donc, et combien de niveaux, et quelle que soit la réponse, affecte le niveau. Les problèmes que nous avons dans ces cadres régionaux, vous avez 55 membres et vous avez des cadres régionaux. Chaque cadre continental va chercher à ramener tous ces cadres. C'est très complexe dans votre, par exemple en Afrique. Donc, on doit essayer d'accommoder ou d'inclure tout ça. Si vous me demandez qu'est-ce que cela veut dire, alors je ne pense pas. Mais vous avez ça quelque part. Vous devez penser qu'est-ce qui va permettre. Donc, pas tout le pays ont de cadre de certification ou ont besoin de cadre de, mais ils auront des systèmes de certification ou de qualification. A certificate of vocational education. Donc peut-être au niveau de graduat par exemple, ils peuvent avoir donc la hiérarchie de qualification, même sans avoir le cadre de certification. Mais ils ont des systèmes. Alors, je pense que les gens se focalisent. Qu'est-ce que le pays a le cadre de qualification, de certification? Il est important de dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Quand nous parlons, donc, les descripteurs de niveau, le niveau de descripteur, je pense que peut-être que j'ai... Une fois que nous avons le cadre régional dans une communauté, donc le pays commence à suivre de manière invariable le même niveau, par exemple, le même nombre de niveaux. Je ne crois pas que cela doit être le point critique. Donc, le problème, c'est combien le pays fait pour inclure donc, ces cadres régionaux. Souvent, ils disent, vous pouvez le dire pour en Europe, je peux le dire dans le Pacifique. C'est pourquoi je disais, donc, les influences non voulues ou non souhaitées. Parce que le pays vient après, auront toujours tendance à être, doivent être forts, ceux qui viendront après, d'avoir d'autres niveaux qui ont des différents niveaux que le niveau prescrit ou le niveau énoncé dans le cadre régional. Donc, rédiger les principes, pour moi, je pense que c'est très important parce que je connais donc le cadre pacifique de qualification à gauche et ce n'était pas documenté. C'est qu'on pensait quand nous avons commencé à rédiger le niveau des descripteurs. Je pensais que le Pacifique devait être neutre. Il devait être libre du point de vue du contenu. On ne devait pas avoir le langage qui doit exclure certains types d'apprentissage. L'exemple pour moi. Donc, certains langages peuvent exclure. Donc, je n'étais pas sûr que cela pouvait se passer, donc pas spécifique au secteur, alors que quand vous considérez le cadre européen à droite, donc ils évitent les jargons, je devais avoir ça sur la liste des points positifs, peut-être que je n'avais pas bien articulé,
donc la répétition dans le cadre européen, la distinction adéquate entre différents niveaux, ça c'est une discussion que nous devons avoir à l'idée, différentes formes d'apprentissage, même quand nous disons que donc c'est avec parce que nous sommes tous au niveau. Donc le base de niveau concept de niveau et donc il y a beaucoup Edouard a déjà fait l'enquête des cadres de certification pour voir là où il est pensé, mais donc ensemble ou séparés, connaissances, compétences, l'application, si vous vous rappelez, donc les Européens, donc les compétences, par exemple, vous pouvez dire que cela change maintenant dans ce qu'ils veulent. La responsabilité et l'autonomie ressortent très fort, mais vous pouvez barrer ça, ces cadres régionaux, même nationaux, avoir la compréhension de ça, de cette communauté. L'un de notre exemple que j'ai donné pour l'Australie, l'autonomie est très forte dans notre cadre. Donc, quand nous étions en train d'écrire le cadre pour l'Asie, l'autonomie n'était pas, il voulait l'autonomie. Alors, vous devez penser, pour moi, c'est une question de culture. Qu'est-ce qui est important dans cette région ou dans cette nation? Et ça doit refléter, ça doit être reflété. Comme je l'ai dit, donc j'ai vu le niveau de descripteurs qui sont cumulatifs, par exemple, et on doit comprendre, et vous devez lire de haut à bas, du haut vers le bas, Eduardo. Et Corinne m'ont posé cette question. Donc, entre Solo et Drivers, je l'ai mis ici. Donc, mon domaine, c'est d'évaluation. Donc, je viens de du contexte ou l'historique de l'évaluation. Pour moi, Drivers, c'est le niveau de la performance, de la capacité contre une certaine compétence. Pour moi, Dreyfus, ce n'est pas quelque chose que je peux dire qui doit vraiment entrer dans le cadre. J'ai des problèmes avec ça, Solo pour la même raison aussi. Et la façon dont je comprends, pour moi, donc ce sont des niveaux de performance individuelle pour des niveaux. Donc Dreyfus est utilisé pour les infirmiers, par exemple. Pour si je comprends ça très bien, et donc c'est une compétence particulière. J'ai un peu des documents et je comprends pas pourquoi on doit le voir. Et j'ai aussi mis le niveau là-bas parce que nous devons penser de la différenciation. Vous devez avoir une différenciation claire de ce que vous voulez dire. Pour moi, j'ai des difficultés pour comprendre quand il y a beaucoup de domaines dans le pays, par exemple, et il y a beaucoup de domaines, et je ne pense pas que la logique horizontale n'est pas là. J'ai des difficultés pour comprendre ça. Donc, les domaines, on doit penser combien de niveaux il y a. Il y a des niveaux pour comprendre votre langue, pour la différenciation, et vous devez commencer votre domaine, c'est quelque chose que vous devez discuter avec votre père. Vous devez, ça doit être clair sur la définition. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par la responsabilité, par qu'est-ce que vous voulez dire par compétence? Parce que to me it was application, but that's okay. So
clear definitions, clear understanding. Une définition claire. Donc, je pense que c'est très important. Et vous devez être à mesure de pouvoir tenir en compte d'autres pays, de liens pour l'assurance qualité. Pour moi, de là où je viens, je pense que nous avons des descripteurs et des descripteurs, c'est très clair. Nous avons des descripteurs de niveau et nous définissons ça. Donc, nous définissons le baccalauréat, par exemple, donc la complexité, et donc nous décidons sur le volume aussi parfois. Cela est mesuré par la durée, ainsi de suite. Bien sûr, dépendant, et nous avons d'autres exigences pour admission. Et pour moi, le cadre national de certification sont des documents conçus pour nous donner l'information qui est claire. Donc, le processus d'accréditation, comment est-ce que vous approuvez cette qualification d'être un baccalauréat, par exemple, c'est très important, d'être un diplôme de graduat plutôt, comme je travaille sur les différents... Donc, des liens donc avec, comme je l'ai dit, donc des critères, cela peut être lié, pas que dans le Pacifique, cela est lié au cadre. Donc, en Asie, il se réfère donc du rapport de référencement, de critères pour expliquer dans le pays. Donc, il y a différentes façons de le faire. Je pense que je dois dire que la plupart des cadres régionaux de certification, donc le niveau de complexité, et vous pouvez penser de ça, pas seulement au niveau, comme je l'ai dit, pas tout. Donc, ce ne sont pas en train de généraliser. À la fin des six, je suis presque à la fin. Ça, c'est... Donc, Eduardo m'a envoyé dans mon apprentissage. ARC-F, c'est le niveau de descripteur. La façon dont je suis en train de référer à les cadres asiatiques, donc nous pouvons voir, par exemple, les descripteurs, il y a beaucoup d'autres éléments, par exemple, de ce qui se passe, il y a des arrangements de gouvernance. Check on this baby. So you had to, we had to really pull that out. So that's, I think, really important that you've got to go beyond the level descriptors. Passer au-delà donc des descripteurs de niveau. Ils ne sont pas statiques. L'Union européenne a été revue, je vois la nuance en termes de définition. Alors, c'est important de comprendre les objectifs. Nous avons commencé en 2015 avec l'adoption, avec la croissance des connaissances. Il y avait beaucoup, beaucoup d'aspirations au départ, et maintenant on comprend un peu mieux ce qui peut être fait. Alors, ce n'est pas statique. Je crois aux arrangements et au financement. Nous avons besoin donc d'une bonne gouvernance. Alors, c'est quelque chose qui n'a pas été vérifié très fortement. Et la QF, c'est un exemple qui est connecté à beaucoup, beaucoup d'initiatives, et cela renforce
and your framework structures, Alors, je crois que dans quelques années, vous avez pour le moment l'impression que ces cadres sont parfaits, mais après quelques années, vous réalisez qu'ils ne sont du tout pas parfaits. Alors, c'est important, surtout au début, si vous avez des pays qui font des commentaires là-dessus. Je crois que c'est important d'avoir cette crédibilité au niveau international. Si les activités de référence ou les études comparatives ne sont pas faites, je crois qu'il y aurait un manque de confiance. Alors, au niveau de l'international, il faut avoir une bonne crédibilité. Peu importe ce que vous faites, si vous n'avez pas un niveau de maturité dans votre système de certification, ce sera difficile de renforcer la confiance. Alors, si vous n'avez pas un cadre de certification nationale qui est en place, je crois que Singapour n'a pas de cadre de certification, mais je ne pense pas que les autres pays se plaignent des systèmes de certification au niveau de Singapour. Donc, vous avez... En fait, la NQF ne vous donne pas soudainement la qualité. Au niveau des pays, nous devons développer ce que nous comprenons par l'assurance de qualité, donc les cadres de certification, ce qu'on comprend par la référenciation. Donc, c'est quoi? En tant que pays membre, plus on comprend donc ces définitions, on sera capable donc de renforcer ses capacités au niveau des États membres. Et c'est très important parce que je ne peux pas mettre l'accent beaucoup plus là-dessus parce que c'est vrai que nous parlons de certification pendant 10 ans. Nous avons beaucoup de problèmes de capacité au niveau donc des résultats de l'apprentissage. Vous devez aller donc au niveau institutionnel et c'est souvent difficile alors que je pense que le fait qu'il y a autant d'institutions dans les grands pays qui ont beaucoup d'institutions, c'est un gros travail auquel ils doivent s'atteler. Bon, là, je ne parle pas seulement des universités. Donc, vous avez un peu donc, les implications pour les petites nations. Pour elles, c'est un peu plus facile que pour les plus grandes, mais là, c'est important d'avoir donc plus de capacités. Bon, voici mes apprentissages. Bon, j'ai essayé de simplifier les choses. Merci. Merci, Andrea, pour tous les apprentissages et les réflexions et d'avoir donc présenté aussi votre expérience. Je crois que c'est souvent difficile parce que souvent, il y a cette partie subjective qui ne ressort pas beaucoup pour la création des connaissances et le partage des connaissances. Merci, Andrea. Mais quelques mots avant de passer à une session de questions-réponses. Il y a déjà des questions dans la fenêtre de commentaires. Donc, collègues, posez des questions, vous pouvez écrire des commentaires. Alors, Andrea nous a parlé du fait que les cadres de certification sont beaucoup plus que des descripteurs. Donc, il y a aussi l'objectif régional des communautés et des autres politiques. Elle nous a aussi dit que la gouvernance
une forte gouvernance et un bon financement est important pour passer de cadre national de certification vers des processus plus globaux. Et j'aimerais aussi mentionner le fait que vous avez parlé des cadres de certification nationale qui sont implicites et explicites. Vous avez aussi présenté les références dans le contexte des objectifs. Bien sûr, la question éternelle de combien de niveaux, quel domaine de l'apprentissage pour les descripteurs de niveaux. Je crois que vous avez aussi partagé beaucoup de propositions autour de cette idée que nous avions dans les sessions précédentes en termes donc de résultats d'apprentissage qui, en fait, représentent un travail où on a de bonnes définitions, donc un travail d'équilibrage. Il y a des questions. Collègues, vous pouvez avoir des questions. Participants, n'hésitez pas de poser des questions. J'aimerais mentionner deux questions ici. La première, c'est du Sénégal. Les deux questions qu'on a sont pour Jens. Il y a une qui est plus autour donc, des résultats de l'apprentissage, donc de la part du Sénégal au niveau de l'Agence de l'assurance de qualité au Sénégal. Abdou demande quel est le niveau d'application des résultats d'apprentissage dans le contexte de l'EQF et comment est-ce que le secteur de l'éducation adhère et applique les principes de cadre national des certifications et comment le secteur éducatif et comment cela est donc bien intégré dans la mise en œuvre de l'EQF. J'interprète un peu, donc vous avez l'éducation supérieure, les descripteurs de niveau, CNC et EQF. D'accord, permettez-moi de répondre à cette question d'abord. Comme je l'ai indiqué dans ma présentation, on a observé une transition de l'éducation par rapport au programme défini pour des résultats d'apprentissage. Le principe de pour avoir donc ces programmes devient de plus en plus accepté. Donc, vous avez des approches entre les pays et les institutions, mais les principes généraux pour essayer d'exprimer donc les programmes et les résultats d'apprentissage. En Europe, vous avez cette situation. C'est un peu malheureux au niveau de l'Europe. Nous avons deux cadres d'apprentissage. Un pour l'éducation supérieure. Donc, vous avez la licence jusqu'au doctorat et vous avez aussi l'autre qui est plus ou moins cadre général qui couvre tout ce qui a été dit au début en 2008 et qui a été réitéré en 2017. C'est pour dire que les deux cadres sont compatibles et fonctionnent ensemble. Look, I'm working. I cannot take a call now, please. Big majority of European countries who have established national qualification framework have actually referenced them to the EQF in a way, signaling that this is the overarching complementary comprehensive framework, which in a way covers. Excuse, nous avons donc plusieurs diplômes qui sont couverts au niveau de l'éducation supérieure.
Ce qu'on voit au fur et à mesure, c'est plus d'accent qui est mis sur les points de référence communs au terme des diplômes et des certifications nationales. L'une des choses, c'est le renforcement des résultats d'apprentissage. Et nous nous focalisons aussi sur les CNC. Vous avez aussi la diversification de l'éducation supérieure, parce qu'en Europe, ce n'est pas seulement à l'université. Vous voyez maintenant qu'il y a ces professions, des formations professionnelles, donc niveau 5 et 6. En Allemagne, ils ont la formation professionnelle au niveau 6 et 7 maintenant, donc jusqu'au niveau du bachelor et master. Et vous voyez que les choses changent et vous avez besoin de situer donc ces certifications au niveau du cadre de certification. Alors, c'est une question plutôt complexe, mais il y a cet accent sur les CNC. Merci. Jens, il y avait une autre question très spécifique formulée par James. You can see maybe in the chat. Yes, you saw it. Yes, okay. So my question is, how can curricula developers? Let me just say it so that interpreters can also interpret into French. Alors, on va permettre aux interprètes d'interpréter en français. La question, c'est de la part de l'autorité zambienne de certification. Il dit, comment est-ce que les développeurs de programmes peuvent avoir donc des verbes actifs dans la construction des résultats d'apprentissage pour développer des compétences de certification de niveau bas vers les niveaux les plus élevés au niveau des CNC. Bon, oui, bien sûr, tout dépend du développement des programmes et c'est une question qui est plus ou moins générale, comment on exprime les intentions de nos attentes. Ce que nous avons fait en 2016 et 2017, lorsque nous avons élaboré donc notre guide et avec les critères des résultats d'apprentissage, nous avons constaté qu'il n'y avait pas autant d'orientation et de discussion explicite sur comment nous utilisons le travail actif. Cela faisait référence donc à la taxonomie de Bloom où il y avait des références sur les objectifs, mais les discussions explicites n'étaient pas très poussées. Pour donner des exemples sur les alternatives, ce qui marche, il y a aussi des messages clés au niveau de nos résultats d'apprentissage où on va avoir donc des différents moyens et différentes définitions. Donc, comme je l'ai dit dans ma présentation, il faut donc essayer peut-être d'ouvrir donc ou de restreindre le processus d'apprentissage par rapport à ce que vous attendez. Bien sûr, les mots actifs, les travailleurs actifs, on doit se focaliser sur l'apprenti individuel, l'apprenant lui-même, et combiner donc cette expression d'objectif. Donc, vous avez plusieurs éléments par rapport aux descriptions qui diffèrent donc des évaluations donc de CNC. Pour conclure, je dirais qu'il y a trop peu de discussions explicites entre les praticiens en Europe, par exemple. C'est le cas aussi à l'international. J'ai fait quelques recherches. Je crois que Bloom. Il y a plusieurs chercheurs qui ont démontré que
c'est pas facile donc de trouver cet équilibre. Parce que ce n'est pas quelque chose de simple, mais en fait, c'est un travail d'équilibrage où vous essayez de soit restreindre ou ouvrir. Donc, parce que l'idée, c'est qu'il ne faut pas restreindre le processus d'apprentissage sur la base de vos résultats d'apprentissage. Nous travaillons là-dessus. Dans les 6 prochains mois, nous allons faire une publication là-dessus. Donc, par rapport à ces questions. Merci, Jens. Il y a 2 questions. L'une, c'est un commentaire. Il y a une question spécifique qui s'adresse à Andrea. Pour compléter et répondre à Jens, collègues, je dirais que vous avez tous accès à ces livrets sur les résultats de l'apprentissage. Bon, Yann, c'est l'auteur principal. On va vous envoyer les liens avant la fin de ce webinaire. Merci. Je crois que c'est très utile. Il y a un commentaire de Colin par rapport aux propositions qui sont faites par Andrea autour de critères de référence. Et peut-être qu'on peut avoir des moyens de les catégoriser. Peut-être que certains ne sont pas plus pour les références, mais sont plus pour des obligations administratives après la référenciation. C'est là l'un des commentaires qui sera aussi abordé dans l'une des présentations. Jean Adetevi a fait le commentaire suivant. Donc, comment est-ce que les deux métriques de complexité d'apprentissage et le volume d'apprentissage s'aligne donc au descripteur de niveaux horizontaux. Bon, ma compréhension ici, c'est peut-être que je n'ai pas bien expliqué les choses. Donc, vous avez la complexité, les différents domaines, mais les cadres de certification ont ce que nous appelons les descripteurs de type de certification. Par exemple, je vais dire un bachelor, donc il y a un niveau licence. Vous pouvez dire par exemple niveau 7, qui est la complexité. On sait que la licence, c'est à ce niveau de complexité. Les autres mesures, c'est par rapport à la complexité. Donc, ce n'est pas seulement au niveau de descripteur de niveau, cela vient aussi de la compréhension de comment vous les décrivez. Donc, vous pouvez dire par exemple que pour la médecine, vous êtes au niveau 5, et pour autres domaines, vous êtes au niveau 3. En fait, le type de descripteur a ces deux mesures. Alors, les descripteurs de niveau. Alors, cela dépend de certification et de type de certification que vous pouvez donc accommoder dans vos différents pays. They're located at the same level, but they have different durations. They sometimes have different purposes. So your qualification types are really informed by those two main metrics. And some countries use credit points. Alors, dans certains pays, vous avez des points, des crédits qui sont utilisés. Les autres utilisent la durée et les points, les crédits. Alors, ça peut être difficile de bien déterminer les choses à ce niveau. Bon, je prends le cas donc de cadre de certification de
la Nouvelle-Zélande, qui est plutôt simple à comprendre. Et c'est typique pour nous en Australie, c'est un peu trop complexe. Je crois que la question peut-être, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je peux toujours revenir si je n'ai pas bien compris la question. D'accord, on peut rester en contact et nous sommes toujours en contact avec vous et Jean fait partie du groupe et nous aurons l'opportunité de peut-être clarifier un peu les choses à ce niveau avant de remettre la parole à Colline. J'aimerais juste mentionner le fait que le président du Mozambique, du Conseil mozambicain pour l'assurance de qualité et l'accréditation, qui fait la coordination donc du cadre de certification au Mozambique, il dit que cette conversation aujourd'hui est très utile pour le processus en cours au niveau du Mozambique et quelquefois, on a tendance à avoir trop de débats autour des questions administratives au lieu de bien comprendre certains concepts et éléments pour bien définir les niveaux et les descripteurs. Et leur utilité dans le pays. Le président aussi mentionne qu'il y a des avantages de ces cadres nationaux de certification pour la communauté scientifique et les choses doivent être bien comprises et clarifiées. Merci pour cela. Je ne sais pas si parmi vous, Andrea ou Jens, voulez ajouter des points là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport à la prochaine compréhension donc des aspects de descripteurs de niveau et les avantages pour la société? Est-ce que vous voulez ajouter ou complémenter avant de remettre la parole à Colline? Bon, j'ai juste un commentaire sur la base des expériences depuis 2004 et 2005 au niveau de la TQF. Nous avons donc cet apprentissage par les pairs, apprentissage mutuel. Vous pouvez considérer donc les descripteurs de niveau et d'autres critères, donc les définitions qui sont importantes, mais ici, ça soutient, ça appuie donc le processus où vous essayez donc de regarder un peu plus de manière plus critique. C'était pas facile de le faire au départ, mais en interne, on se dit que nous allons tous bénéficier lorsque vous avez donc cet accent qui est mis. Alors, lorsque vous avez des niveaux de référence, cela permet donc de faire des critiques constructives pour avoir donc une transparence entre les différents pays pour maintenant essayer d'avoir cette convergence pour soutenir donc la transparence et aussi donc la transférabilité des certifications et comment elles peuvent être utilisées. Mais c'est un long processus. N'oubliez pas l'aspect donc du travail entre les pairs, donc un travail, une collaboration pour pouvoir donc essayer donc de déterminer les choses entre les différentes institutions, donc partager et collaborer. Merci Jens. Andrea, oui, je suis d'accord avec parce que beaucoup de pays se focalisent sur les rapports. Et ce n'est pas le rapport qui est la partie importante. Je crois qu'il faut faire des examens critiques par les pairs et c'est un processus pour donc avoir le rapport comme résultat. Et bien sûr, ça permet de renforcer la confiance. Comme je l'ai dit, le rapport, ce n'est pas la fin de la journée, ce n'est pas l'objectif primordial. Vous voulez donc faire un examen critique de vos propres systèmes et vous voulez comprendre
C'est quelque chose qui est difficile à imaginer dans les pays en voie de développement. Les gens font souvent des examens critiques et constructifs. Souvent, ce n'est pas de manière volontaire, ils le font, c'est difficile. Souvent dans mon groupe, c'est l'une des difficultés que nous avons et je crois que c'est un point très important. Les autres pays, les autres régions veulent faire la même chose. Bon, on se dit, ne vous focalisez pas sur le rapport, c'est le processus, les réflexions et les examens critiques du document qui importent le plus. Merci, Andrea. Jens, il y a une autre question du Cap-Vert. Qui Amilcar fait et au niveau du département de coordination donc du système capverdien. Pour eux, ils veulent donc faire la différence entre le cadre et le système parce que le cadre pour eux n'existe pas au-delà ou de manière isolée du système. Et la dernière question. Amilcar parlait de. C'est une question très intéressante pour vous deux, pour Andrea et Jens. Il s'agit du développement de certifications axées sur les compétences. Il dit comment est-ce que le développement de ces certifications peut être faite de manière plus efficace et moins coûteuse et que ça soit un processus beaucoup plus simple. Alors, le Cap-Vert a cette longue expérience de certification axée sur les compétences. Donc, vous avez des détails sur ce que nous disons au niveau donc, du registre de certification en ligne, mais il semble qu'ils veulent que ce processus soit beaucoup plus flexible et adapté et moins onéreux. Alors, est-ce que vous avez des suggestions là-dessus? Bon, je ne sais pas qui intervient d'abord. C'est une question compliquée. Allez-y, Jens. Bon, je pense que le plus gros problème, c'est la compétence dans la plupart des pays. Tout dépend. Pour moi, la compétence, c'est le travail, la tâche assignée. Il y a un facteur limiteur. Bon, je ne sais pas, on peut peut-être parler d'un domaine qui est plutôt restreint. Bon, pour moi, je ne pense pas trop à l'avenir, les compétences qui pourraient être nécessaires. Vous vous retrouvez à souvent faire des décisions, prendre des décisions qui sont axées sur la situation actuelle. Dans les systèmes de TVET, vous devez vous focaliser. Je crois que c'est beaucoup plus important donc, d'avoir cette flexibilité dans votre raisonnement. Oui, je suis d'accord avec vous parce que d'abord, lorsqu'on a parlé de résultats d'apprentissage, certains pays donc font des résultats d'apprentissage sur la base donc des capacités individuelles, des compétences et des connaissances individuelles. Mais je pense que comment est-ce que vous essayez d'élargir vers des horizons inconnus? En Europe, nous constatons que la formation professionnelle, souvent, c'est pas donc quand, à quel moment les changements vont s'opérer. Donc, vous devez être prêt à vous adapter, donc avoir des programmes qui sont adaptés ou adaptables lorsque vous rédigez
Donc, les normes en termes de compétences dont vous essayez peut-être de vous limiter à la situation actuelle. Alors, on a beaucoup de discussions donc, sur le type de compétences générales et transférables. Donc, comment nous assurer que les gens sont capables d'apprendre de manière assez systémique et comment élargir donc, le champ de réflexion? Donc, les mots actifs, je crois que c'est la chose la plus importante. C'est important donc de s'ouvrir à l'avenir. Au niveau des opportunités internationales, donc c'est important d'avoir ces objectifs additionnels. Je vais m'arrêter là. Il n'y a pas une réponse simple à ces questions, donc pour essayer de rendre les choses beaucoup moins onéreuses ou plus simples. Merci. Bon, on aimerait remettre la parole à nos collègues, à Colleen, pour la présentation qu'elle va faire sur comment ceci combine et aussi quels sont les défis pour la CQF. Permettez-moi, Colleen, de dire, il y a professeur Jean-Pierre Mboro du Cameroun. Ils ont écrit en français pour être rapide. Merci beaucoup pour votre question. Nous pouvons discuter avec vous directement. C'est une question vraiment. Monsieur Mboro, muito obrigada pela sua questão. Podemos depois discutir juntos para vermos, desenharmos a questão da África Central e vermos como é que podemos organizar uma reunião convosco. Na verdade, já iniciamos o projeto com o Ministério do Ensino Superior e o Ministério da formação em relação ao quadro nacional de certificação do Camarões. Podemos continuar este debate e eu posso enviar-lhe já um e-mail depois da reunião. E muito obrigada pelo seu interesse. Alors, on va, la question qui a été posée par Moses, on va débattre après la discussion avec Colleen. Donc, merci une fois de plus à Jens et Andrea pour la perspective. Alors, à vous la parole, Colleen, et merci pour votre préparation et votre engagement. Colleen. Can you hear me? Yes, Colleen. M'écoutez, vous me suivez? Oui, oui, Colleen, c'est bon. Don't worry about the time. You have time. Ne vous inquiétez pas, vous avez assez de temps. Okay, thank you very much. I hope you can. D'accord, merci. J'espère que vous voyez tous l'écran pour ma présentation. Il y a 5 parties. Je vais commencer par un peu de contexte avant de passer à des concepts et des aperçu donc des descripteurs de niveau sur le continent. Comme vous le savez, c'est juste un récapitulatif. Edouard a mentionné le fait que nous avons fait une étude. Merci à ceux qui ont participé à cette étude. C'était donc une réponse rapide et en une semaine, nous avons eu plus de 31 réponses. Ici, vous avez des résultats sur la base de ces réponses. Bien sûr, les choses peuvent évoluer, tout comme les autres réponses. Dans ma présentation, je vais vous parler des défis. Pour commencer, je veux remercier Jens et Andrea. Bon, je vais dire certaines choses qui, bien sûr, touchent sur ce qu'ils ont abordé plus tôt.
Ce qui est bien, c'est que nous allons toujours dans le même sens où on parle donc des résultats d'apprentissage. Je vais essayer de ne pas répéter ce qu'ils ont dit. Mais comme on l'a dit, Andrea a dit que vous devez comprendre l'objectif, vous devez comprendre des principes, la portée, et cela a été documenté dans l'étude de cartographie et de faisabilité dans tous les ateliers d'apprentissage par les pairs. Comme Edouard l'a dit, on veut vous présenter donc les aspirations de la CQF et quelle est la vision. C'est important parce que les descripteurs de niveau sont aussi donc importants au niveau des cadres de certification régionaux. Ici, vous avez des directives qui font partie de 10 directives. Et chaque directive a ce que nous appelons donc un trio d'informations. Vous avez les documents principaux, vous avez toutes les politiques techniques, les discussions, et vous avez aussi donc des orientations résumées qui seront une version plus courte avec des recommandations et ce que les décideurs vont utiliser. Et vous avez le module de formation qui sera très important pour notre base de connaissances de la CQF. Et je pense que c'est une bonne opportunité par rapport aux résultats d'apprentissage pour mettre en pratique ce que nous pensons que les gens devraient comprendre et faire après avoir participé aux formations. Donc, chaque cadre sera testé et finalisé avant de pouvoir les diffuser au niveau régional et continental. Alors, il y a 10 directives. Ici, je veux juste vous présenter que toutes ces directives sont interconnectées. Alors, il n'y a rien qui est isolé. Et ici, vous avez le lien explicite entre les directives 2 et les critères qui ont été mentionnés par Andrea aussi. Et ce qu'on disait, vous avez plus de 10 thèmes dans les critères de référence. Et les 5 premiers sont les critères principaux de référence. Et vous voyez donc la connexion ici. Alors, la deuxième orientation est connectée aux critères de référence. Parce que l'un des résultats principaux, c'est de démontrer donc, comment est-ce que votre NQF, votre CNC est connecté au cadre continental de certification. Alors, pour revenir sur ce qui a été dit par Andrea et Jens, vous devez comprendre l'objectif du cadre de certification régionale et quel est le raisonnement qui donc soutient un peu toute chose. Pour ajouter la définition, la convention d'Addis, c'est un document qui a été rectifié en décembre 2019 et nous avons besoin de le mettre en œuvre. Nous n'avons pas d'excuses. Andrea a aussi parlé de l'élaboration de 2 dimensions de logique et il y a beaucoup de choses que nous pouvons donc tirer des expériences des autres régions, surtout le cadre européen de certification. Ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Ils ont déjà 36 pays qui ont donc une référence à ce cadre européen. On peut beaucoup apprendre de ce processus. Jens a aussi parlé donc des résultats d'apprentissage. Donc, vous avez les arrangements de gouvernance et cela va donc jusqu'au niveau des descripteurs de niveau. Et cela va aussi donc au niveau des descripteurs qui sont donc des outils qui font le lien entre les cadres nationaux et régionaux. C'est cela qui permet au pays de faire le lien entre les descripteurs ou les niveaux de certification avec les niveaux de CNC.
Alors, pour revenir sur les objectifs, ici, vous avez le cadre des certifications régionales. Les deux sont des cadres de référence qui reflètent la nature et la portée de la CNC. Vous avez des résultats d'apprentissage. Au niveau régional, ce sera donc un outil de traduction, donc de référence des différents pays. Il semble que nous avons perdu l'oratrice. Au niveau de CNC, il y a une légère différence. Ici, vous voyez qu'au niveau de la CNC, la complexité de certification est reflétée. Mais je ne veux pas rentrer. L'interprète s'excuse, la communication avec l'oratrice a des difficultés. Ça s'entrecoupe beaucoup. Alors, c'est important que les pays puissent tenir compte et d'adapter donc les différents niveaux. Donc, ils doivent être capables de s'adapter aux différents diplômes. Vous pouvez dire, par exemple, OK, le diplôme à tel niveau, voici ses caractéristiques. Voici ces différents niveaux d'entrée, ces différents cheminements. Et là, vous pouvez rentrer en détail, donc au niveau de CNC, mais au niveau régional, il n'y aura pas donc ce lien au type de certification. Alors ici, c'est vous présenter les exemples, parce qu'au niveau africain, nous n'avons pas encore des descripteurs de niveau et nous n'avons pas encore le nombre de niveaux déterminés. Donc, c'est difficile d'avoir un exemple au niveau continental, mais là, j'utilise le cadre européen parce qu'ils ont fait beaucoup plus de projets par rapport à tous les cadres de différentes régions dans le monde. En rouge, au milieu, vous avez 8 niveaux de certification régionale. Donc, peu importe si les pays ont 10 ou 4 ou 5 niveaux, ils sont capables de les lier parce qu'ils ont les descripteurs de niveau. Donc, avec le CEC qui est comme un point de référence et chaque pays va dire voici nos certificats ou nos diplômes. Donc, ils font le lien donc, avec ces cadres au niveau public. Le pays A peut voir, OK, il y a le rapport de référenciation. Donc, le niveau 6 du pays A correspond au niveau 5 de l'EQF, donc le cadre européen de certification. Le pays B peut dire, non, nous, notre niveau 5, c'est comparable au niveau 6 de l'autre pays parce que la comparabilité a déjà été déterminée au niveau européen. Ce que j'aimerais aussi préciser ici, c'est que ce n'est pas une reconnaissance automatique entre les différents pays. Alors, comme Andrea l'a dit, lorsque vous rédigez les descripteurs de niveau, il y a la logique horizontale et verticale des descripteurs. Souvent, vous avez affaire à des matrices. Ici, j'ai 12 niveaux, donc on ne dit pas que ce soit niveau 8 ou 10. Donc, la complexité est au niveau vertical. Et au niveau vertical, vous avez les domaines, donc vous avez les compétences, les connaissances, les responsabilités, l'autonomie et le reste et le reste. Donc, il y a cette corrélation entre tous pour déterminer le niveau de complexité. Au niveau horizontal, dans la CNC, tout dépend du pays spécifique où cela se reflète dans la certification et pouvez voir pourquoi est-ce que le pays a ce CNC
Et cela se reflète donc les domaines qui sont déterminés par le pays, va refléter donc l'objectif. Most qualification frameworks have knowledge and skills, and then as Andrew also mentioned that. Au niveau international, la plupart des pays ont des connaissances et des compétences qui sont bien déterminées. Donc les responsabilités, les compétences. Et vous avez aussi des connaissances et des compétences dans la plupart des cadres nationaux de certification. Mais par rapport à la clarification, on veut déterminer ces domaines et sous-domaines et inclure ce qui est raisonnable au niveau de la CQF. Ici, je l'ai mis en rouge parce que lorsque vous avez 55 pays, et que vous voulez écouter tout le monde, nous sommes à une phase où il y a trop de détails, parce que si c'est trop compliqué, ce sera difficile de les mettre en œuvre. Lorsqu'il y a trop de domaines et vous avez un cadre qui est trop compliqué, ce ne sera pas facile de le mettre en œuvre. Au niveau vertical, c'est important d'avoir assez de clarification, de compréhension des différents niveaux. D'abord, le nombre de niveaux, et aussi le niveau de complexité et comment les comparer. Andrea a parlé du fait que les gens font référence au niveau de progression d'apprentissage, mais quelquefois, il n'y a pas de base pour parler de progrès et vous regardez donc le niveau d'apprentissage et de complexité et cela est cumulatif de nature. J'ai utilisé donc 5 cadres de certification régionaux. Alors, au niveau régional, vous devez être capable de refléter certains domaines de vos CNC. Donc, lorsque nous rédigeons les domaines, nous disons voici les domaines au niveau africain. On fait des recherches au niveau africain. Et la CQF peut aussi inclure donc ce qu'on veut voir un peu plus au niveau des pays membres, donc en termes d'innovation, peut-être des CNC qui sont plus axés sur l'avenir. Certains principes ont été mentionnés et j'aimerais combiner certains cadres de certification régionaux au niveau de la CQF, nous avons 4 formes d'apprentissage que nous couvrons. Donc, peu importe ce que ce qu'on veut couvrir, ça doit normalement être sous la CQF. On n'a pas besoin donc de tenir compte de complexité des cadres nationaux, alors le langage sera plutôt général et indépendant. Alors, vous avez les descripteurs de niveau de la CQF qui vont couvrir donc tous les niveaux de la transparence. Comme je l'ai dit, les résultats d'apprentissage doivent couvrir donc les contextes formels et informels. Et c'est aussi important d'avoir les niveaux de CNC, des registres, pour donc renforcer la confiance, parce que les autres pays veulent savoir quel est le processus que vous, lorsque vous attribuez un niveau à un certain type de certification, donc qu'est-ce qui est impliqué, quel est le raisonnement? Parce que les gens parlent de catalogue, d'autres parlent de base de données, mais à quoi ça ressemble et est-ce que c'est accessible à tous? Est-ce qu'il y a une certaine transparence? Et on a aussi parlé de l'aspect de la qualité, de l'assurance de qualité. Donc, pour faire le lien entre les descripteurs de niveau au niveau national, il ne s'agit pas juste de faire le lien, mais de pour collaborer entre acteurs et déterminer. Peut-être intégrer n'est pas le mot, mais essayer de faire la synthèse donc, de tous vos résultats d'apprentissage et les différents processus d'a
de qualité d'assurance de qualité. Donc, c'est important d'avoir cette intégration et c'est important d'avoir cet élément de collaboration. Et on a dit que les descripteurs de niveau devraient être développementaux. Chacun devrait avoir quand même un certain niveau de complexité d'apprentissage et faire la distinction entre les niveaux supérieurs et inférieurs. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire parce que souvent, on veut éviter les répétitions. Alors, il y a beaucoup de choses qu'il faut considérer et la taxonomie, comme Andrea l'a dit, c'est aussi important d'utiliser donc l'examen révisé de taxonomie. Et vous avez aussi donc la clarté technique et la cohérence. J'ai été dans des ateliers où les gens disent, non, écoutez, ça embête, on ne comprend pas comment ça marche. Et je crois que ce serait un défi pour s'assurer que les choses sont plus claires, que les définitions soient assez claires à chaque niveau et qu'il y ait donc des déclarations positives, pas de jargon, même des lecteurs qui ne sont pas du domaine peuvent bien comprendre ce que cela veut dire. Alors, pour récapituler, la recherche a été faite, il y a eu des études de cartographie, de faisabilité, il y a eu aussi donc des documents thématiques et des webinaires d'apprentissage par les pairs. Comme je l'ai dit, vous avez les document thématique 3.1. Vous pouvez voir le type de domaine. Et cela ressort donc des documents thématiques où on sait ce qui se passe dans le pays. Et vous avez aussi les nouveaux, les domaines de descripteurs de niveau de la CQF. Ici, on peut voir que la majorité ont 10 niveaux. Vous avez 11 au niveau de la SADC et le Kenya qui a 12 niveaux. La Namibie n'est pas là, mais je ne pense pas que la Namibie faisait partie de ces efforts. Et nous avons le cadre de la SADC qui est plutôt complet. Et vous avez donc certains qui ont 7, 8 niveaux, d'autres qui ont 5. Et ici, nous avons le cadre de l'Afrique de l'Est qui a 8 niveaux. Alors, c'est important de déterminer combien de niveaux nous avons déjà sur le continent. Ensuite, dans ce document, vous allez trouver une longue liste de domaines, de ces cadres de certification qui ont été étudiés. Et de cette longue liste, nous avons développé une liste de 13 domaines possibles de la CQF. Donc, vous avez les responsabilités et nous avons fait la différence donc entre l'autonomie et la responsabilité. Nous voulons voici donc les 13 domaines pour déterminer donc qu'est-ce que les gens pensent de ces domaines, quelle est la priorité. Et nous devons aussi penser à où est-ce que nous plaçons l'innovation, quel est le rôle de nouvelles compétences. On pense beaucoup aux compétences vertes, sociales et numériques. Quelles sont ces compétences et où les placer? Dans l'étude, on a mis 3 options. On a demandé aux gens s'ils voulaient qu'il y ait un domaine distinct ou est-ce qu'ils pensent que ça doit être un sous-domaine
ou est-ce qu'ils pensent que ça ne doit pas être explicite et que cela devrait être peut-être dans un autre document d'orientation? Alors, on a demandé toutes ces questions, on a posé toutes ces questions dans l'étude. Au niveau européen, on a demandé comment ils ont inclus l'innovation. Ils l'ont inclus sous les compétences et les connaissances. Et je crois que Andrea en a parlé aussi. Juste pour vous donner une idée de ce que les autres au niveau régional ont fait. Maintenant, au niveau des résultats de notre étude, comme je l'ai dit rapidement, on a demandé aux gens, c'était une semaine, on a eu 31 réponses de l'Afrique, de l'Europe, de l'Australie. La plupart des gens représentaient une CNC et nous avons combiné les descripteurs de niveau pour voir un peu quels sont les motifs, les modèles qui ressortent. Et bien sûr, les réponses vont évoluer plus les gens participent à l'étude. Vous voyez que le secteur de TVET est généralement d'accord d'utiliser donc les résultats d'apprentissage et les descripteurs de niveau suivis par l'éducation supérieure. Et vous avez l'éducation générale qui est moins populaire, donc primaire et secondaire. Nous avons demandé aux gens d'identifier quel est donc le champ de leur CNC. Donc, lorsque vous voyez NQS, c'est Système de certification nationale. Alors, nous avons demandé de ce processus de classification, de certification dans votre NQF. On veut savoir. Donc, par rapport aux différents types, on a vu que les résultats étaient similaires. La portée est tous les niveaux de certification, les réponses les moins populaires sur la base des commentaires que j'ai vus que les gens ont fait. Bon, je ne vais pas toucher sur tous les commentaires ici. Ici, je voulais juste soulever donc certains aspects. Certains ont dit qu'ils n'utilisent pas le terme micro-crédentiel. Les microcrédits, du moins. Alors, c'est peut-être une question de terminologie et on n'a pas encore bien détaillé cela. Alors, on a essayé de voir le processus, s'il faut classifier donc les certifications dans votre CNC et NQS. Les gens disent que tout dépend donc de descripteurs de niveau par rapport aux résultats d'apprentissage. Cela était donc les critères principaux. Pour certains, ils disent que bon, c'est juste des certifications d'assurance de qualité. On a demandé donc qu'est-ce qui a été impliqué dans ce processus de classification. Vous avez donc des agences d'assurance de qualité. Vous avez aussi des autorités nationales de certification. Et ici, vous avez donc les différents conseils de main-d'œuvre et sectoriels qui peuvent s'impliquer donc au niveau de la certification. Mais au niveau de la CNC, il y a trop de monde et ça cause trop de confusion. Ensuite, on a demandé quelles sont donc les caractéristiques de vos descripteurs de niveau, comme Andrea l'a dit, ou Jens aussi, par rapport à la littérature internationale qu'on a lue. Il semble que la majorité dit que la logique verticale et horizontale. Les niveaux de complexité
les gens ne pouvaient pas s'accorder sur les caractéristiques donc des descripteurs de niveau. Donc, souvent, il faut plus de clarité en termes de langage. J'étais surpris de voir que certains résultats font état du fait que les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe. Alors, il y a beaucoup de travail à faire en termes de jargon, de langage. Donc, il faut qu'on clarifie les choses au niveau africain pour qu'il n'y ait pas de confusion. Nous avons également demandé aux gens quelles sont les caractéristiques de leur résultat d'apprentissage. Les gens ont dit que la mobilité de l'apprentissage semble être la réponse la plus populaire. Donc, pour la description des certifications nationales dans les différents secteurs, certains ont dit que certains résultats d'apprentissage, les approches de ces résultats d'apprentissage étaient déjà en place. Donc, ce n'est pas totalement différent des descripteurs d'apprentissage niveau. Maintenant, au bas, sur la base de la recherche et des outils, beaucoup de gens n'étaient pas sûrs que ça contribue donc aux besoins de la société ou de l'industrie. Mais les gens parlent du lien avec l'évaluation. Jens a dit dans sa présentation que l'évaluation doit être axée sur les résultats d'apprentissage. Alors, on doit faire beaucoup de travail à ce niveau. Ensuite, on a parlé de références. On a demandé aux gens quels seraient les avantages de référence au niveau des cadres continentaux. On dit que ça va contribuer donc à la reconnaissance internationale des CNC africaines. Alors, on a mis cela juste pour vérifier, pour prendre le pouls, pour savoir quelles sont les attentes. Qu'est-ce que les gens attendent de la référence? Parce que la référence ne signifie pas automatiquement qu'il y a une reconnaissance. Bon, on était satisfait de voir qu'il n'y avait que 10 réponses. Parce que la reconnaissance ne se fait pas de manière automatique, mais c'est bien de savoir quelles sont les attentes. Maintenant, par rapport aux différents niveaux de ACQF, vous l'avez vu dans la recherche, on vous a présenté donc les différents niveaux. Vous avez 7, 8, 10 niveaux et on a demandé aux gens qu'est-ce que vous pensez la CQF devrait avoir comme niveau. 64% ont parlé de 10 niveaux. Certains disent vous ne pouvez pas poser cela dans un questionnaire, vous devez faire la recherche et la recherche a été conduite et menée. Mais c'est juste pour prendre la température, le pouls. Alors, on a utilisé certains domaines et on a demandé aux gens de les classifier en ordre de priorité. Et voici les résultats que nous avons obtenus. Donc, vous avez les connaissances, les compétences, les aptitudes. Et certains ont dit qu'il ne faut pas avoir trop de domaines. On peut se focaliser sur les 3 ou les 5 domaines les plus populaires. Alors, ici, vous avez les résultats des 3 domaines principaux. Au niveau européen, ils ont commencé par la connaissance, les aptitudes et les compétences. Et après, ils ont réalisé que les compétences, c'est l'autonomie et la responsabilité. Si vous lisez bien le document, ils sont passés de connaissances, aptitudes et compétences, et ils ont inclus les responsabilités et l'autonomie. Ensuite, on a demandé où on peut inclure l'innovation. On leur a donné 3 scénarios. Et je pense que les gens disaient, bon, ce n'est pas dans un domaine distinct. Il y avait donc un peu ce sous-domaine des domaines et certains pensent que ça n'a pas besoin d'être explicite dans les descripteurs de niveau, mais cela doit faire partie d'un outil de la CQF.
presentation. This is the last slide. So the challenges, and you know, alors, au niveau des défis, pendant que les gens parlent de descripteurs de niveau, il y a beaucoup de défis et on doit essayer de voir donc, comment est-ce que cela doit bénéficier au continent africain. Nous connaissons les objectifs, la vision et la portée de la CQF, comment on est censé rédiger ces descripteurs de niveau par rapport à la conception. Comment est-ce que les populations africaines peuvent bénéficier? Alors, la définition de niveau de domaine de descripteur pour que cela soit inclusif et futuriste. Donc, comment est-ce que on peut s'accorder là-dessus? Et il y a aussi le raisonnement autour des résultats d'apprentissage. Les différents contextes de l'apprentissage, dont vous avez la certification, l'évaluation, donc renouveler les certificats, comment nous allons structurer cela. C'est là les orientations sur lesquelles nous travaillons au niveau de la CQF. Et vous avez aussi donc les questions de gestion et de certification, les catalogues, comment nous assurer qu'il y ait donc une certaine transparence. Donc, comment renforcer la confiance au travers donc, de l'assurance de qualité, les principes et les mécanismes, et comment gérer les choses au niveau national. Et aussi, ce qui est important, c'est la validation de l'apprentissage, y compris les apprentissages formels et non formels, informels. Lorsque nous approchons ce document, nous devons retenir cela à l'esprit. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, je viens de terminer ma présentation. Je vais permettre à ce que vous posiez des questions. Merci, Colline. Je suggérerais que vous gardiez ces diapos sur l'écran et que, parce qu'il y a plusieurs suggestions et il y a des défis pour plus de conversations et de dialogues. Par rapport à certaines questions qu'on peut avoir. Alors, il y a une question dans la fenêtre de commentaires. Vous pouvez le voir, quels sont les défis que vous anticipez par rapport aux descripteurs de niveau sur la base des résultats d'apprentissage, que ce soit des secteurs formels, informels, et que ce soit un langage général et non pas spécialisé, technique. C'est une question qui s'adresse particulièrement à Jens et Andrea. C'est une question générale. Alors, pour commencer avec Colline, pour vous, quels seraient donc les défis de descripteurs de niveau pour la CQF? Bon, je ne sais pas qui a posé la question, c'est Jean. Tout ici sera un défi. D'abord, s'assurer que c'est couvert. Pour nous assurer que tout est couvert et pour simplifier les choses. Je crois que ce sera l'un des défis. So I think that the whole idea of writing label descriptors that are going to be generic. Alors l'idée de descripteur de niveau, c'est un gros défi. Alors je ne sais pas si Jens veut ajouter quelque chose à cette question. The contribution, an idea, suggestion. Yeah, perhaps I could comment just one point. Peut-être que je peux commenter sur un point. Je crois que vous devez faire attention à comment vous abordez les domaines, parce que c'est là l'expérience que nous avons au niveau de l'EQF, de la CEE. Le problème, c'est que c'était incohérent sur le plan conceptuel.
au départ. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons changé donc, au niveau de l'autonomie et des responsabilités. Mais lorsque vous combinez ces trois, la connaissance théorique, pratique, les compétences, les aptitudes, donc la combinaison de l'autonomie, des responsabilités vous permet donc de déterminer donc les différents niveaux. Donc le domaine est très critique et vous devez considérer pour éviter de vous retrouver dans le problème actuel, pour ne pas vous retrouver dans une base qui n'est pas cohérente. Donc c'est important donc de déterminer les responsabilités de manière claire pour les différents niveaux. Je crois que les domaines jouent un rôle important sur le plan politique parce que ça permet à ce que les différences soient visibles entre l'éducation supérieure, les universités et la formation de l'éducation supérieure, aussi la gestion des responsabilités, des thèmes et le reste. Donc, juste pour vraiment mettre l'accent à ce niveau sur les domaines, c'est très important et ça a des implications sur ce que vous faites par la suite. Merci. Andrea, vous voulez ajouter quelque chose ou peut-être ajouter un point contraire? Non, non, je suis d'accord. Je pense que la connaissance et les compétences sont plus faciles. Ce qui est important, donc la compétence est un peu plus difficile à comprendre pour moi au niveau de la CNC parce que vous avez l'autonomie, la responsabilité, les compétences. Lorsque vous considérez de manière un peu attentive, vous devez aller au-delà des connaissances et des compétences pour faire la différenciation. Donc, au niveau du cadre de certification régionale, vous pouvez peut-être avoir plus de domaines. Vous essayez, en fait, de permettre au pays d'avoir des références et d'avoir des liens aux données. Mais vous devez faire attention lorsque vous le faites et vous devez réfléchir sur quels sont les domaines. Il nous semble qu'il y a deux domaines, mais c'est important de savoir dans quels sont ces deux sous-domaines. Souvent, on est un peu préoccupé et on ne veut pas voir trop de domaines. Je pense que c'est important que le cadre régional puisse simplifier les choses et ne pas avoir trop de données. Merci, Andrea, pour ce point. J'aimerais demander, parmi nous, nous avons plusieurs représentants et directeurs des autorités des CNC au niveau de l'Afrique. Peut-être vous avez des questions, des propositions, parce que vous êtes peut-être préoccupé par ces choses. Bien sûr, nous avons nos collègues de la ZAQUA qui sont là, l'autorité zambienne de la certification. Et d'autres pays, est-ce que vous voulez peut-être exprimer ou donner votre opinion? Nous avons la SAQUA, plusieurs représentants de l'Afrique du Sud. Et vous voulez aussi partager des points de vue. Et nous avons aussi l'autorité de certification des Seychelles qui est très active et qui est aussi qui travaille sur la base de cadre de certification régionale au niveau de la SADC. Nous avons aussi la dernière fois le président, le directeur général de l'autorité des Seychelles. Donc, par rapport aux problématiques au niveau donc de
cadre de certification des Seychelles. Je crois que vous pouvez poser des questions ou faire des propositions en retenant à l'esprit donc les dilemmes et les défis qui ont été mentionnés dans la dernière diapo. Nous avons aussi le représentant de l'autorité du Bahreïn et du cadre arabe de certification, si vous voulez partager des points de vue ou peut-être d'autres participants, s'il vous plaît. Myriam? Il semble que je n'ai pas bien suivi la question. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. La question, c'est, étant donné les défis, les suggestions et les propositions par rapport à la voie à suivre pour la conceptualisation donc du cadre technique pour la CQF, y compris les descripteurs de niveau, les orientations, les domaines des descripteurs de niveau et des résultats d'apprentissage. Quelles sont vos suggestions, vu que vous êtes directement impliqué, vous êtes une partie prenante importante en tant qu'autorité de certification? Oui, par rapport à ce que James et Colleen et Andrea ont déjà dit. Je crois que c'est des points qui sont très informatifs dans la discussion par rapport aux apprentissages, les résultats d'apprentissage. Ici, j'essaie de voir donc les suggestions qui ressortent des études, donc les commentaires qui ressortent. Pour avancer, pour moi, bien sûr, nous avons des défis par rapport à couvrir donc les questions dans les différents contextes, en tenant compte, bien sûr, des cadres nationaux de certification. Pour moi, c'est très important parce que on n'est pas tous... Nous avons bien sûr tous des systèmes qui fonctionnent pour couvrir donc les questions de base en termes de qualité, le reste. Maintenant, pour les autres aspects qui semble intéressant, c'est que nous devons tenir compte donc des questions émergentes au niveau des systèmes de certification. Vous avez donc aussi des questions émergentes par rapport à comment nous répondons aux problématiques. C'est important. Ce que Colin a dit par rapport donc aux pays qui n'ont pas de CNC, même si la CNC n'est pas complètement le cas des autres, mais c'est important de l'avoir pour essayer donc de conceptualiser les choses. Donc, c'est important donc les questions de crédit et aussi ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des différents niveaux. Donc, qu'est-ce qui intervient tout d'abord par rapport aux questions qui se soulèvent? Combien de niveaux pour que les descripteurs de niveaux soient cohérents avec le nombre de niveaux? Donc, pour les différents pays. Pour conclure, nous devons bien sûr débattre un peu plus là-dessus. Merci. Merci Myriam. Jens est en train de partir à une autre réunion. J'aimerais lui dire merci pour cette contribution excellente aujourd'hui. Heidi Bolton de la SACWA veut intervenir. S'il vous plaît, allez-y.
Allô, bonjour à tous et merci pour les trois présentations excellentes. Je m'excuse, je suis assis à l'extérieur, je suis toujours à l'extérieur dans la mesure du possible. Au niveau de la SACWA, pour le moment, nous travaillons sur la révision de nos descripteurs de niveaux nationaux. C'est important d'écouter toutes ces choses parce que ça nous permet d'harmoniser donc nos processus. Je n'ai pas le mandat de dire quelque chose de particulier de la part de la SACWA, mais je veux remercier Colline et Andrea et James qui ont fait donc de très, très bonnes présentations et j'aimerais qu'on puisse essayer de suivre donc tous les rapports et les recherches qui ont été faites. Et je crois que dans notre processus, il faut considérer ces aspects, mais j'étais très encouragé par ce que les trois intervenants ont dit. Quelquefois, c'est comme si c'est un travail très difficile, donc les descripteurs de niveau et la révision de ces descripteurs de niveau. Mais lorsque Colline a présenté sa diapo sur le niveau 6 dans un pays qui est peut-être le niveau 5 dans un autre pays. Si un pays a, par exemple, 10 niveaux de CNC, par exemple, le niveau 7 dans ce pays qui a 10 niveaux ne signifie pas que c'est aussi niveau 7 dans un autre pays qui a 10 niveaux. Donc, il faut essayer de bien faire attention à ces aspects. Nous allons continuer le travail que nous faisons avec le personnel de la SACWA et faire nos rapports. Oui, Eduardo, c'est Tariq. Écoutez, j'ai du mal à activer ma caméra, ma connexion n'est pas très bonne. Mais j'aimerais ajouter une chose, c'était intéressant d'écouter nos collègues et d'apprendre des différentes expériences. Mon expérience en termes de descripteur de niveau, certaines personnes s'adaptent et essayent de copier donc les descripteurs de niveau des autres cadres. L'apprentissage de politique, c'est la meilleure manière donc d'apprendre des autres et de s'adapter. Si on continue à changer lorsqu'on rencontre nos parties prenantes, ça nous permet d'avoir des descripteurs de niveau qui correspondent à nos besoins. Maintenant, au niveau des domaines, j'ai vu aujourd'hui, il y a différents domaines. Les gens parlaient de 3, 4, 5 domaines, mais je pense que les cadres nationaux de certification peuvent consister de connaissances, aptitudes et connaissances. Mais si on parle, par exemple, de cadres spécialisés pour les finances, pour l'engineering ou pour autre chose, là, on peut avoir plus de domaines, plus que 3. Je pense que c'est une idée beaucoup plus claire, au moins pour les premières années. Et après, on peut passer, lorsqu'on a évaluer notre cadre et que les choses sont plus matures. Et là, je peux définir mon domaine, ajouter plus de sous-domaines une fois que le cadre est mature. Merci, Eduardo. Merci, Tariq. Bon, on n'a plus assez de temps. D'abord, merci pour tous les commentaires qui ont été formulés de la part de Myriam de la Zambie, de Heidi de l'Afrique du Sud, de la SACWA et Tariq du Bahreïn. Je vois Amilcar, comme je l'ai dit plus tôt, elle est du Cap-Vert, de l'unité de coordination. Elle pense qu'il devrait y avoir une uniformisation de la nomenclature des domaines de descripteurs de niveau. Au Cap-Vert, ils disent qu'ils ont 3 domaines, la connaissance, l'aptitude et les compétences. Donc, disons l'autonomie, la responsabilité, la créativité que nous considérons comme aptitude. Voilà donc la suggestion de
Amilcar, merci pour ce commentaire. Alors, on va essayer de remettre la parole à Colline. Colline, est-ce que vous voulez exprimer des points de vue additionnels par rapport à ce que vous avez écouté? Et dans quelle mesure vos idées ou votre raisonnement a peut-être évolué après cette conversation? Bien sûr, je crois qu'avant que vous ne le fassiez, j'aimerais mentionner le fait que, parce que nous avons les différents participants qui ont écrit des commentaires, s'ils peuvent avoir des réponses, nos collègues du Cameroun, qui a écrit comme message direct, ce n'est pas tout le monde qui peut voir. Jean-Pierre Mbourou du Cameroun a écrit qu'il a analysé et vu attentivement donc les descripteurs de niveau du Maroc et il s'est demandé quelle est la spécificité en termes de comparaison de ces descripteurs par rapport à ceux de le QF. Bon, Jens n'est plus là. Mais Jean-Pierre, je crois qu'il essaie de comparer donc, les différents cadres. Nous savons que la structure marocaine diffère parce qu'ils ont 6 domaines et 8 niveaux. C'est plutôt une formulation granulaire des descripteurs de niveaux. C'est là une très bonne question pour les pays qui s'intéressent, surtout au niveau du cadre régional. On peut continuer cette discussion, Monsieur Mbourou. Vu que le Cameroun est en train d'élaborer son cadre de certification, probablement pour Heidi, bien sûr, on va partager avec vous tous les rapports, les recherches qui ont été mentionnées ici. Une bonne partie de ces documents ont été téléchargés dans le site web de ce webinaire, dans le site web de la CQF qui sera en ligne la semaine prochaine. Vous aurez accès à toutes ces informations et nous allons envoyer après ce webinaire quelques liens pour accéder aux recherches, aux différents livrets et tous différents types d'informations, donc le rapport de faisabilité, les notes d'informations thématiques. On va vous envoyer tous ces liens. Maintenant, je vais remettre la parole à Colline qui peut-être entre-temps peut dire quelques points sur ce qu'elle pense après, ce qu'elle pense de cette conversation aujourd'hui. Eduarda, qu'est-ce que vous me demandez là? Qu'est-ce que vous retenez peut-être de nouveau ou d'additionnel au bagage que vous avez déjà? Donc, qu'est-ce que vous retenez de cette réunion aujourd'hui? Vous avez déjà un aperçu très intéressant. Ben, écoutez, ce qu'Andrea et Jens ont dit dans les plusieurs contributions, par bien sûr dans la fenêtre de commentaires, ce ne sera pas facile de rédiger les descripteurs de niveau de la CQF, mais nous avons l'avantage d'avoir déjà d'autres cadres régionaux qui ont déjà plusieurs descripteurs. Alors, on n'a pas besoin de commencer à zéro. On peut voir ceux qui ont déjà inclus donc le type de définition et là, on peut peut-être adapter donc, au contexte continental. Donc, on n'est pas complètement laissé, abandonné, si on peut le dire comme ça. Ce que Jens a dit, c'est que le troisième, lorsqu'on parle de connaissances, d'aptitudes et de compétences, on doit essayer de voir quelle est la raison pour laquelle la CNC doit abandonner, par exemple, des
domaine. On ne veut pas mettre en œuvre des choses qui, après 2-3 ans, on va se dire, écoutez, les compétences, c'est l'autonomie, la responsabilité. Donc, il faut qu'on apprenne de leurs discussions et voir donc, comment est-ce que nous pouvons l'incorporer. Et le langage aussi. Je me rappelle, lorsqu'on parlait de cela, on parlait de domaines comme si c'était des compétences. Mais on s'est dit, mais non, voici les compétences, voici les compétences. Et Eduarda disait, mais pourquoi vous dites compétences lorsque vous parlez de domaines? Je pense que dans les différents pays, la terminologie diffère. Je crois qu'il faut qu'on utilise un langage neutre pour dire ce sont des domaines. Ce ne sont pas des compétences parce que même dans les documents de la SACWA, on a parlé de compétences qu'on veut développer et nous avons commencé à utiliser donc un langage qui est général, qui sera applicable à tous. Et je pense aussi qu'on doit s'assurer que cela soit écrit en termes simples parce que cela est traduit. Et on doit s'assurer que lorsqu'on traduit cela, ça ne perd pas. And I want to use an example of when people talk about, they talk about equivalence. L'importance. Bon, les gens parlent d'équivalence, de comparabilité dans le cadre sud-africain. Donc, la comparabilité et les équivalences sont différents. Je crois que c'était au niveau de les Émirats arabes unis, ils utilisaient un mot pour dire comparabilité, pour eux, c'est aussi l'équivalence. Donc, cela ne veut pas dire que si on utilise ce terme, on ignore certains groupes, il faut comprendre de quoi il s'agit. Et je crois aussi les explications, donc, qu'est-ce que ceci veut dire, donc, les définitions. Lorsqu'on augmente le niveau de complexité, donc la définition de chaque niveau, je pense que le cadre de certification de Bahreïn, on doit aussi tenir compte de quelque chose semblable au niveau du continent africain. Merci, merci d'avoir soulevé donc ces questions de clarification, de notions et de glossaires, ainsi de suite. Bon, écoutez, nous sommes pratiquement à la fin. Je vais remettre la parole à Floria qui va peut-être faire un commentaire. Andrea, pardon. Bon, écoutez, je voudrais ajouter un autre commentaire, toutes mes excuses, je ne vais pas conclure maintenant. Écoutez, au-delà de domaines, vous avez des labels. Donc, de compétences. Cela apporte un peu de confusion, donc il faut essayer de déterminer ce que vous voulez décrire dans ce domaine. C'est très important, Colline. Donc, il ne faut pas que ce soit juste des labels, mais il faut que ça soit bien compris lorsqu'on veut. Alors, il faut avoir des définitions, ce que vous voulez peut-être, si vous parlez de 8, 9, 10 niveaux, qu'est-ce que vous voulez décrire? Alors, c'est vrai. Souvent, lorsqu'on parle de compétences, c'est tellement large qu'on peut avoir différentes interprétations. Bon, je ne sais pas quel est le terme que les gens utilisent dans leurs différents pays, mais c'est important. Donc, vous ne pourrez pas résoudre tous les problèmes, mais si vous pouvez minimiser donc, les questions, les problèmes de traduction, parce qu'on utilise le terme stable. Pour moi, stable, c'est clair. Mais si vous rentrez dans le dictionnaire, vous allez avoir les différentes définitions du terme stable. Alors, l'idée et la compréhension des termes et leur traduction, c'est très, très important pour les cadres régionaux. Et je crois que c'est là le plus gros défi et je vous souhaite vraiment le meilleur. Merci, Andrea. Bon, de toute façon, nous sommes toujours avec vous et on espère qu'on va profiter de votre expérience
dans ce processus. Avant de conclure ce webinaire, j'aimerais mentionner une ou deux choses par rapport à la clarté, donc les termes, les labels applicables, compréhensibles. Je crois qu'il y a beaucoup d'expériences très intéressantes. Certains pays ont créé des livrets, d'autres ont créé des guides pour les utilisateurs, les employeurs, pour les développeurs de programmes où ils créent et ils font le lien et que ça soit compréhensible. Donc, comment est-ce que les descripteurs de niveau permettent donc d'évaluer et aussi comment est-ce que les résultats d'apprentissage s'inscrivent donc dans les différents concepts. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait à ce niveau. C'est une question de considérer toutes ces possibilités et ces expériences. On l'a vu, par exemple, au Bahreïn, dans leur cadre de certification, il y a un document qui offre des orientations et des recommandations. Et récemment, j'ai vu Lesotho dans leur manuel. Donc, la même chose ressort. Vous avez certains chapitres dans ce manuel qui expliquent, dans un langage assez simple. Le Portugal aussi a fait quelque chose de similaire, donc des orientations bien qui démocratisent et qui rendent populaires tous ces concepts. Donc, pour différents types d'utilisateurs, y compris donc les apprentis, les enseignants et le reste. Dans tous les cas, je pense que nos orientations, nos directives nous permettent donc de clarifier les choses et que cela soit applicable par tous les utilisateurs. On va revenir vers vous demain avec donc des feedbacks de ce webinaire, y compris donc les liens aux différents articles qui ont été publiés. Et je suggérerais que nous allons continuer à faire l'étude. Je vais vous envoyer tous le lien que vous avez déjà. Maintenant qu'on a débattu, peut-être que certains d'entre vous pourront facilement répondre. Et cela peut enrichir donc ce que nous avons déjà. On va se réunir encore le 28 octobre pour le dernier webinaire de 2021. Ce sera intéressant. On va aborder donc les liens entre les CNC, la mise en œuvre et les réformes de la TVET. Et il y aura plus de partage des nouveaux CNC. Il y a certains cadres qui sont donc à un niveau avancé de consultation, de développement. On va le partager avec les collègues, les représentants. Ensuite, vous aurez la présentation des résultats préliminaires donc des études sur les programmes scolaires. Donc, les liens entre les programmes et les cadres de certification, les principes, les niveaux et les objectifs. Bien sûr, on va vous envoyer les invitations. Donc, vous aurez, on espère être nombreux à la prochaine réunion. Donc, merci, collègues. Si ça ne vous dérange pas, est-ce qu'on peut ouvrir nos caméras pour prendre une photo collective, une photo de famille? Merci. Moses, c'est vraiment bien de vous revoir. Oui, c'est un plaisir de vous revoir aussi. Merci. Et les collègues du Cap-Vert, ils sont très, très actifs. Merci, le Cap-Vert. Merci, le Cap-Vert, pour votre implication et votre collaboration.
Nous avons aussi l'Éthiopie avec nous. Merci, merci. La Zambie est très active, la Côte d'Ivoire. Oui, merci. Myriam, c'est un plaisir de vous revoir. C'est un plaisir de vous revoir, Edouarda. Bonjour, Colline. Brigitte aussi est là. Merci, Brigitte. S'il vous plaît, parmi les francophones, il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Et on a un écho. Si vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci au Cameroun. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bye bye. Au revoir.